Bon, j'espère que vous allez bien du coup. Aujourd'hui, gros live eFootball Pro. Et je voulais pas être tout seul, je vous en avais parlé hier en live et je lui ai demandé, il a accepté. C'est Soso Black. Je suis très très content que tu sois avec moi, mon Soso. Bonjour tout le monde, ben moi aussi très 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 content d'être là avec toi et avec toute la commu PES. Parce que qui d'autre que toi? Bon, déjà, t'es très très fort dans le jeu, tu fais de la compète, t'as coaché les joueurs de l'équipe de France. T'es Ouais, c'est dans. vrai que l'année dernière j'étais derrière eux. Voilà, tu les connais très bien, tu connais tout le plateau. Donc, bah voilà, en fait, je t'avoue que j'ai pensé qu'à toi, ça a été direct. Après, j'espérais que tu allais Ben, accepter, je n'étais pas sûr. J'avais un peu le non, stress de te demander. Et t'es non, trop. après, c'est non, c'est sûr, c'était. Alors, pour être très, très honnête avec toi, j'y avais à la première journée, je me suis dit, alors là, franchement, il faudrait que quelqu'un le fasse, quelqu'un qui caste un peu qui caste cet event, un Français qui le fasse. Et je savais, tu vois, je suis resté très passif. Alors, quand j'ai vu ton message, justement, pas déjà, je te remercie d'avoir pensé à moi. Et après, directement, bah, hey, super. Ah ouais, c'était ce qu'on voulait, quoi. Quelqu'un qui le fasse et qu'on puisse avoir une vraie touche, une touche Frenchie derrière Ça nos manque, ouais, ça joueurs, tu manque vois. vraiment le Ouais. cast français, je trouve. C'est vrai, je suis Salut d'accord tout le avec monde, toi. hein. Salut toute la commu. Du coup, bah là, il y a le deuxième match Celtic Manchester qui est en train de se jouer Avec Kams, hein, avec avec notre Kams, ami notre ami Kams. Kams qu'on adore. Hein. Bon, premier match, on a eu notre ami Alex hein, avec le Ouais, Barça qui a fait un très gros match, Alex. Hein. T'as trouvé? ben, partage des points avec Arsenal. Mais Alex, effectivement, c'est bon. Après, je pense que sur le match, c'était un peu lent. C'est ce qui a manqué un peu. C'est ce qui a manqué au Barça, c'est que l'animation offensive, finalement, c'était trop lent. Ouais. C'est pour ça qu'ils n'ont pas réussi à prendre les 6 points. Mais on remarque qu'il Et y a partage des points à chaque fois. Hein. ouais, Barça-Arsenal, ça fait 3-1 le match aller, 2-3 le match retour. Schalke-Bayern, ça fait 0-2, 3-2. Là, Manchester, ils ont fait nul, donc forcément partage des points. Et c'est ce que tu me disais en off, Monaco à la première journée contre le Celtic, justement, c'est très très fort qu'ils aient réussi à prendre les 6 points. C'est les seuls, Toujours. et d'ailleurs, ça Toujours. et c'est ce qui, de toute façon, c'est ce qu'on a vu à la fin. C'est qu'ils ont donné le MVP au début de la Ouais. journée, ils l'ont donné à Usma, et à qui d'autre ils pouvaient le donner? De toutes les D'ailleurs, manières, tiens, c'est les seuls à avoir fait 6 points, tu sais que quoi. je voulais te demander, moi personnellement, je l'aurais donné à Kylian. Je sais pas ce que t'en penses. Lui-même pense qu'il l'aurait donné peut-être à Parce que Kylian. Ousma, en interview, il a dit que lui, il avait pas été bon sur les deux matchs. C'est ce qu'il a Il dit. a pas, oui, il a pas été, Je dis il pas que c'est. trouve Moi, si je dis qu'il, pas, c'est ce que je pense, c'est ce que lui a dit. ouais, il pense qu'il a pas été bon sur les 2 matchs parce que c'est un perfectionniste. Donc, à Oui. partir du moment où il a fait quelque chose d'un peu moins bien, Ouais. bah, il estime qu'il a raté. Alors que Vu que Kylian, il lui, pour arrête quand lui, même le penalty qui peut ouais, leur qu'il faire joue à faire côté match d'un. nul. Ouais, Et c'est puis je crois vrai, qu'il c'est vrai. marque, c'est lui qui marque les buts Il pratiquement. marque un but, il Deux marque un passes. but, il fait 2 passes Oui, c'est D, ça. mais Walid met 2 buts Oui. et fait 1 passe D, tu Et le vois. capitaine, je pense qu'ils ont Et aussi récompensé le il y a capitaine. de ça, et il y a le fait aussi que, voilà, Walid, lui, il s'attarde peut-être sur le tacle qui donne le Ouais, péno, il oui, on le s'attarde connaît. sur le Il voilà, t'a il dit. s'attarde sur le face-à-face qu'il manque. Mais voilà, après, dans l'animation offensive, dans les transitions, dans les appels, dans les passes et tout, etc., il a pas loupé grand-chose, il a quand même fait son match. C'est Après, ouais, vrai. voilà, lui, il veut toujours être au top. C'est là où il est le plus fort en plus. C'est Ouais, c'est quand il juge qu'il n'est clair. pas bon. Bah, de toute façon, c'est sa force, c'est une de ses forces, c'est qu'il est toujours à se remettre en question, il est toujours à chercher à faire plus. Et Ah, c'est il a pour un ça mental qu'il, voilà, incroyable. il atteint le niveau qu'il a aujourd'hui. Et je pense que même qu'on n'est pas au bout de nos surprises, je pense qu'il continuera encore à progresser, Ouais. tu vois. Et du coup, comme on l'a dit, il a été MVP. Et du coup, il gagne 10 000 balles qui se partagent, 10 000 euros, hein, qui se partagent en Ouais. trois. C'est Ils ont mis ça au. Ils ont mis, je crois que c'est dès l'année dernière, ils ont décidé de partager les gains à chaque fois. Je trouve que c'est toujours bien Ouais. d'ailleurs. Et c'est une politique un peu qui est respectée dans tous les clubs, hein. Le MVP, les meilleurs buts sont des boulots d'équipe. Ouais. Donc Et on c'est pour rappelle, hein, on ouais. rappelle que alors les MVP et meilleurs buts, c'est l'argent va aux joueurs.
Par contre, les autres primes, elles vont au club. Et après, c'est le club qui décide de les partager. Mais là, Voilà, ça va aux il y a des joueurs. politiques, ouais, il y a des politiques différentes en fonction des clubs Et sur la Monaco sont très répartition très des gains. cool avec les joueurs, d'après ce qu'ils nous ont dit les joueurs. Ouais, c'est pas mal, ils ont réussi, voilà. D'ailleurs, Soso, cette triplette-là, hein, Ousmane, Kylsu et Lotfi, c'est les seuls qui ont resté dans leur club par rapport à l'année dernière. Ouais, il y a aussi le roster de Manchester. Ah non, il y a quand même Non? quatre clubs qui ont pas bougé. Bah, Cam, Manchester n'a si. pas bougé. Ah oui, c'est vrai, Manchester. Il y a Cams qui n'a, il y a la Juve qui n'a pas bougé aussi. Et le Bayern. Le La Juve. Bayern, t'es sûr? Bayern, José. Bah oui, José Alguacil Mestre, bah, c'est la Alguacil, triplette. il était au Barça l'année dernière, non? Non, c'était Guy Ferrat. Ah, moi je confonds. Bah bref, en tout cas, il n'y Mais. en a pas beaucoup qui ont changé. Et donc, Ouais, eux, la c'est continuité. ouais, ils jouent la continuité. Bah, de toute façon, même je vais aller plus loin. Eux, c'est les seuls, par contre, à avoir. Ils ont intégré Kylsu l'année dernière, puisqu'ils sont passés du 2v2 au Ouais. 3v3. Mais par contre, c'est les seuls qui n'ont pas changé de roster depuis le début de C'est l'e-football. ça. Oui, c'est ça que je Voilà. voulais dire. Voilà. C'est vrai, Depuis pas le l'année début de dernière, oui. l'e-football. C'est l'année dernière. Même l'année d'avant. Voilà. Tiens, dans le Et. chat, il parle du but, meilleur but. Le but, il est exceptionnel, le but qui a été élu meilleur but, je trouve. Oui, le but Il est du beau. petit Alex, ouais, il est beau, et D'ailleurs, tout à l'heure, je même crois que c'est d'avoir Alex le. Giardet qui a failli mettre un super but. Il fait une petite croquetta là, dans la surface. Dommage, Ouais. la frappe de Dembélé, elle passe à côté. Mais l'action était magnifique. C'est une des caractéristiques, et d'ailleurs, D'Alex. nous, quand on a vu les rosters, donc quand on a vu pour la première fois le roster du Barça, Ouais. on s'est dit, bon, ben, là, alors le petit Alex, certains ne le connaissaient pas, mais. Nous, on le connaissait quand même un peu. Avec GRD, Ouais. avec Alex GRD et Palma, on s'est dit, ouais, ben attends, ça fait quand même deux gros Ouais, dribbleurs. parce Ça que cherche les meilleurs buts à ah chaque ouais, journée, ça, tu vois. Alex Jardim, en tant que Français, hein, moi je l'adore parce que justement il skill beaucoup et comme quoi il y a des joueurs pro qui skill les gars, donc alors que c'est très Ouais, dur sur PES, hein. Alex, c'est vraiment l'un des seuls à Ouais. vraiment très, très bien skiller. Parce qu'il skille et il skille efficace en plus. Oui, c'est ça. Donc il est voilà et avec le petit Le Alex petit aussi Alex. Qui a l'air jeune, voilà hein, je sais pas quel âge il a lui. il a 16 ans il a 16 16 ans. Oh, c'est incroyable d'être ans joueur pro à 16 ans. Oh. voilà et du Et... Barça t'imagines Oui, en en plus, plus ouais. Des meilleures équipes au monde, voilà incroyable. Bah, du coup, on va parler un petit peu du match qu'on va vous caster, les amis. Puisque c'est AS Roma, AS Monaco, hein, les deux AS. Le roadster de l'AS Roma, que tu me disais, qui est très très fort. Hein. Bah Roxa, Kepa et Venom. ouais, donc on a Roxa, Kepa, qui sont déjà en 2019, ils font le mondial en coop, je crois qu'ils font soit non, ils font la régionale en coop, ils font vice-champion d'Europe où Ouais. ils ratent leur but là à la 120e minute, un Ah but oui, vide, je me rappelle. c'était déjà eux. L'année dernière, ils étaient à Nantes où ils ont fini Oui, quand même top avec 6. Azabisk. Avec Azbabis en capitaine, ils ont fini quand même top 6 de la Ligue avant qu'elle s'interrompe. Ouais. Derrière, à l'Euro, donc Roxa et Kepa qui font finale de l'Euro. Ouais, Ils parce qu' s'inclinent. ils sont du même pays, hein. Ils sont Ils sont serbes, serbes tous c'est les ça. deux. Et avec eux, donc on a Venom qui, en 2019, fait finale à la régionale. Et qui se qualifie pour le mondial de 2019. Ouais. Et en 2020, il est joueur d'Arsenal avec Alex GRD Ouais. et Et Christopher Chris. Maduro-Moreira. Et d'ailleurs, tiens, c'est une très bonne question de Super JP. Soso, est-ce qu'un bon joueur solo fait obligatoirement un bon joueur 3v3? Non, pas forcément, mais un bon joueur solo, il faut être bon joueur solo pour être bon Bah oui. joueur en 3v3. Et C'est l'inverse obligatoire. aussi, un très bon joueur 3v3 Il sera sera forcément un forcément très plus bon joueur. assez Hein. il sera forcément bon, voilà, il y a une Oui, dans un corrélation sens, entre pas les deux. forcément, mais un joueur 3v3 sera forcément un très bon joueur 1v1. Voilà, il est forcément, voilà. Parce qu'en Et fait, il est complet partout et il faut avoir une très très bonne vision. bonne vision, faut connaître les timings Ouais. et surtout au niveau des déplacements, des appels ou Ouais, ce c'est genre de ça. choses. De se coordonner à trois, les mecs, imaginez. Bah, de toute façon, si on fait tous, hein, on fait tous de la coop, c'est très très dur. C'est très très dur. Ouais, c'est dur et faut avoir en fait la même conception du jeu. Quand je dis Ouais. du jeu, on va reparler un peu
de méta, quoi. Mais il faut vraiment comprendre la méta du jeu. Ça veut dire que Ouais. si tu respectes pas la méta du jeu en jouant en 3v3, bah, tu te mets à, tu te mets face à des grosses dingueries, quoi. Tout le D'ailleurs, match. Soso, moi, ce qui m'étonne, c'est enfin, ce qui m'étonne, non, mais tu vas nous parler parce qu'on voit beaucoup de dégagement. En fait, dès qu'ils récupèrent la balle en défense, ça dégage. Est-ce que tu peux nous Ouais. expliquer ça un peu? C'est à cause des serveurs qui sont un peu lourds ou... Ben, en fait, on est sur des serveurs qui sont lourds, de manière générale, on est sur des serveurs qui sont lourds, et en plus, on est en 3v3. C'est-à-dire qu'en 3v3, tu ne te fais pas presser par un mec qui a le Ouais, curseur et du carré. Tu te fais tu te fais presser presser par par trois trois mecs. mecs avec un curseur. Donc Donc, le ils sont carré tous, si tu veux, en obligatoire. super cancel, quoi. Ouais. C'est comme s'ils étaient tous en super cancel. Ils sont capables d'anticiper ton premier mouvement. Toi, le serveur, il est lourd. C'est-à-dire que tu vas pas réussir à contrôler et faire tes petits demi-tours et tourner comme tu veux. Ça, tu peux pas le faire. Ouais. Toi, tu vas pousser ton ballon. Donc, Donc triple tu vas. pressing plus latence, ouais, t'étais obligé de Ah, dégager. donc, carré, et voilà. Et pour les meilleurs, c'est un carré visé. Mais voilà, c'est difficile à Un faire, carré mais Manu. c'est un carré Carré Manu, visé. tu dis carré visé? Voilà, ou soit Manu, ou bien visé Ah oui. vers l'attaquant, et après, ça se bagarre sur le deuxième ballon. Ah, on envoie Alors, ça fait pas énormément de très. deuxième ballon. Oui, mais après, se battre sur le deuxième ballon, c'est un métier aussi. Hein. Ouais. Ah, moi je Voilà. sais, moi je suis nul en tête, j'arrive pas à défendre sur les têtes les centres, et c'est vrai Ouais. que en fait ça se fait pas. Ben, ça fait la différence, parce que là, si tu regardes bien, regarde Ouais. la plupart des actions sur PES, on est vraiment sur de l'attaque-défense, c'est de l'attaque contre-attaque. Et Clairement. en trois passes, tu peux arriver au 20-30 mètres. Bah, C'est c'est pour le ça, bon. syndrome de ce moteur graphique, hein, bon, qui est à bout de souffle d'ailleurs, on est content de le Ouais. quitter, c'est qu'il n'y a pas de milieu en fait. Ouais, c'est ça, il n'y a pas de Tu milieu, sautes donc le milieu comme tu effectivement, veux. il y a des mecs qui arrivent à jouer la possession, il y a des Ouais. mecs qui arrivent à jouer la possession, mais La... c'est pas non plus ce qui va être le plus efficace. On Oui. a vu des gars avec 40% de possession Ah bah. réussir à Oui. toujours gagner leur match et Bah tourner à c'est 85% de win. Ousma, il est spécialiste, enfin c'est pas le seul, mais Ousma, il y arrive Ouais. facilement, ça. Il te laisse la balle et Ouais, puis. ouais. C'est l'un des premiers conseils qu'il me donnait là, quand il a commencé vraiment à me prendre en main sur le 1v1. Ouais. Donc moi, j'étais un peu derrière eux en mental. Hein, voilà, c'est plus la préparation mentale qu'on faisait ensemble. Mais eux, derrière moi, c'était beaucoup. Du skill pur qu'on bossait. Et la première chose, c'était va viser fort devant, croix fort, hein, croix de 60 mètres. Dès que tu vois au radar le mec qui est un peu avancé, allez, vise-le. Tu vois, et Ah, donc, en c'est fait, ouf. on dit Ouais. trace le terrain en une passe. Ouais. Et c'était l'un des premiers conseils qui me disait, c'était trace le terrain en une passe. Il faut que tu arrives devant, et dès que tu es aux 30 mètres, c'est toi et ton skill. T'attaques bien. Parce que voilà, j'attaquais plutôt bien. Voilà, t'attaques bien. Et Mais débrouille-toi gagner devant du temps maintenant. finalement sur l'adversaire en Voilà, sautant toute son la milieu. construction, hein, Ouais. exactement. Comme ça, tu perds toute cette phase de pressing. T'as sauté 5 joueurs, t'as sauté 3 lignes. Après, c'est toi et la défense adverse et le gardien, quoi. Et du coup, alors tiens, c'est marrant parce que bienvenue à tous ceux qui follow. Hein. Là, on a cette année, petite nouveauté à l'AS Monaco, c'est qu'on a notre ami Idekun qui a rejoint le club en tant que coach. Ouais. Qu'est-ce qui va leur apporter pour toi? Ben, déjà, il restructure la Néo. Tu vois, donc au-delà de ça, c'est au-delà de l'aspect professionnel, d'un point de vue vraiment affect et perso, ça va Bah les oui. mettre dans condition mentale qui Ces sera trois bonne. anciens Ils joueurs. sont voilà, et ils sont contents, ils sont contents de retrouver un peu. Ça fait vraiment sentiment du devoir accompli. On a démarré Ouais. tout en bas dans des tournois à peu de joueurs, et à la fin, on arrive, on est pro et on est tous sous contrat ensemble. Pour une vraie structure professionnelle, très professionnelle, donc c'est le top. Après, ce qui va leur apporter pour de vrai, voilà, on connaît Imad. Imad, c'est quelqu'un qui est très très Nous, on le protocolaire, connaît. procédurier. Ouais. Voilà, il est procédurier, il est protocolaire, il est carré. Il va peut-être leur donner de plus La rigueur. d'organisation, Ouais. plus de rigueur, plus d'organisation, plus de. Et c'est des choses, pas qu'il leur manquait, mais c'était des axes d'amélioration. Bien sûr. C'est et voilà, et Imad, il est très bienveillant, donc c'est quelqu'un Oui. qui parle beaucoup avec eux, c'est quelqu'un Tu les connais très très bien, comme tu qui dis. les connaît très très bien. Il va leur faire beaucoup bien relativiser, même si ça arrive peu, c'est des choses qui peuvent arriver dans tous les groupes. Ouais. C'est quelqu'un qui va apaiser les tensions quand il y en aura.
c'est aussi quelqu'un qui va faire en sorte que les tensions seront apaisées quand il y en aura. Bien sûr. Parce qu'il est écouté, Oui, il a son aura. Ouais. faut pas croire en e-sport qu'un coach sert à rien. Alors c'est vrai que là, c'est les joueurs qui ont la manette en main et c'est eux qui font tout. Un bon coach avec une mauvaise équipe, ils feront rien. Mais notamment au niveau mental, et comme tu disais, hein, training, tout ça, organisation, c'est très très important. Et je pense que ça peut leur permettre encore de, comme tu disais, de s'améliorer. C'est ça, c'est ça. Et surtout que voilà, la concurrence en face, elle est rude, hein. Moi, on voit le Bayern, on voit la Juve, même Manchester, la Roma, il y a tellement d'équipes et en valeur intrinsèque, si on doit parler vraiment de valeur d'équipe, Monaco n'est pas la plus gâtée. Oui. Ils n'ont pas de Ah. joueurs qui sont ultra méta, Ah, mais c'est dur. tu fais les ponts parfaits. C'est parfait. Justement, je voulais te parler de ça. Cette année, Monaco, au niveau des joueurs, parce qu'on est en recalibré, mais tout, ils sont pas égaux. Tu me disais que la Roma, c'est une des meilleures équipes, si ce n'est la Ouais, meilleure équipe en clairement. recas, et Clairement, ouais. Monaco, la moins bonne. Ouais, on est clairement dans ça. C'est-à-dire que la Roma, on a Smalling qui est le meilleur joueur du jeu en recas, le meilleur défenseur du jeu en Ah ouais? recas. Et pourquoi? Et il a un player ID qui se fait jamais transpercer, Ouais. qui met le pied tout le temps. Il mettra tout le temps le pied. Fazio aussi qui est exceptionnel derrière. Très gros, Derrière, on très a fort. C'est pas forcément voilà. rapide, mais cette année, on sait que Voilà, c'est. ça met le pied. Tant que ça transperce pas, Voilà. tu vois. Toi, ce qui te fait peur, c'est quand tu te manges le triangle et que ton joueur, il met pas le Passe au pied ou bien il travers. se mange le rebond bizarre et il se Ah fait oui. traverser. Il y a des joueurs, il y en a quelques-uns, vraiment, ça transperce pas. Et Smalling, Fazio, c'est les deux prototypes des mecs qui se font très peu Et ils sont transpercer. dans la même équipe. Et ils sont dans la même équipe. Et devant, t'as le Tal, qui est le Tal, je sais pas, il a 18 ans, je sais pas Ouais. d'où ils l'ont sorti de la réserve d'où, mais le gars est là, il te pousse, il met les mains, il te fait tomber, c'est un vrai joueur buggé, comme on l'appelle. On appelle ça un joueur buggé, c'est un vrai joueur buggé, tu vois, il est vraiment fort. Ouais. Hein. Et à la Et différence, Monaco, cette année. ben Monaco, voilà, il compte sur des joueurs qui sont assez bons, tu vois, il y a Voland, il y a Pellegrini, Ouais, Pellegrini qui est mais c'est fort, qui est pas grand. fou, mais c'est pas fou, tu Ouais. vois, c'est pas non plus Pellegrini, il était le meilleur sur player ID, 19, quoi. non? Ouais, il est meilleur, mais c'est pas le joueur buggé. Pellegrini, Ouais. l'année dernière, il était bon parce qu'il y avait encore les cartes Joker. Donc, Ah tu oui, pouvais le faire ils ont rentrer. enlevé les Et Jokers. là, ils ont enlevé les Jokers. D'ailleurs, Voilà. c'est pour ça que ça. D'un sens, heureusement, parce que le Bayern, avec tous les Jokers qu'ils ont, ça Ils étaient aurait été. favorisés. Ouais. Alors, déjà que le Bayern, c'est pas pour leur faire. Je leur fais pas mauvaise presse, mais c'est vraiment déjà que de base, dans le jeu, on leur a mis l'équipe A, on leur a mis l'équipe des U19, on leur a mis l'équipe des U17. Ils ont déjà 50 joueurs, ils Ah ont ouais, tous les players ils ont ID plus possibles de. et imaginables. Et derrière, tu leur Mais mets parce que moi je trouve que tous les Monaco, il n'y a styles. pas beaucoup de joueurs. Hein. Bien sûr, hein. Quand tu prends un Ouais, recas, moi j'ai halluciné, il y a des joueurs que. Enfin, il n'y a pas ouais, beaucoup de joueurs. après, le truc, c'est qu'ils se basent sur ce qui est vraiment aligné sur les feuilles de match. Ah oui, Alors, un donc. truc, voilà. Le truc, c'est quoi? C'est que, par exemple, Bayern, ils ont joué des matchs de coupe. Donc, quand ils ont joué les matchs de coupe, ils ont Ils ont fait mis des monter les jeunes. neufs. Ils ont mis Ah, les jeunes. Et donc, incroyable. forcément, Konami, ils s'alignent sur ça et ils posent tous les jeunes. Donc, tu regardes le Bayern. Et si tu vas sur la page, là, de practice, tu vois, il y a tous les joueurs qui s'affichent, il y a tout l'effectif qui s'affiche. Ben Bayern complète toute la page et il y a écrit en bas, il y a encore 6 autres joueurs, si tu veux. Tu vois? Alors que si tu vas à Monaco, ben Monaco, ils ne remplissent pas la page. Il y a encore 3 ou 4 lignes Ah pour oui. remplir la page, quoi. Donc, il y a 9 joueurs de plus Ah, au c'est énorme. Bayern. Et c'est Ben énorme. ça fait combien de combinaisons, de Ouais. possibilités de supplémentaires? Clairement. Donc, ils peuvent avoir les joueurs qui correspondent au style qu'ils veulent appliquer sur le terrain. Ils ont tout. Le Ils ont vraiment match tout. approche. Ouais, c'est vrai. Le Manchester Celtic vient de se terminer. Donc, premier match 1 partout, deuxième match 2-0 pour Manchester. Ce qui fait que Ouais. Manchester, pour l'instant, ils sont en tête du classement avec 8 points. Ouais, ben, ils ont pris leurs 4 points là, plus les 4 points Ouais. contre Galatasaray. Alors, sans faire offense du tout aux adversaires, on est quand même sur les deux rosters les moins rodés. Ouais, C'est les Galatasaray deux Celtic. rosters, ouais, c'est les deux rosters les moins rodés avec le moins d'expérience. Les Ouais. 3 joueurs de Galatasaray n'ont jamais fait l'eFootball Pro. Ouais. C'est leur première saison. Et les 3 joueurs de Celtic, il y a deux nouveaux.
des très bons joueurs, hein, mais deux nouveaux qui donc sont en train de se faire leur expérience. Et Jorcha, qui est un peu en chef En d'orchestre, chef qui essaye d'orchestre, ouais, de, en voilà, qui ancien. essaye de, voilà, qui essaye de former, Mbi et Patanegra. Donc Manchester faire 8 points, je connais sans Kams, ils sont pas heureux. Oui. Ils sont pas heureux. Ils auraient Le voulu faire le 6. 12 points. Ouais. Ils prennent les 4 points parce que voilà, il faut les prendre. Mais je pense qu'ils visaient peut-être plus. Et du coup, ça laisse l'opportunité à Monaco de ne pas se faire distancer, puisque il leur suffit d'une victoire pour repasser devant. Bien sûr, on doit Ouais. espérer les 12 points. Alors, Hein. voilà, bah, Les c'est ce 6 qu'on points, pardon. veut. Nous, ce qu'on espère, c'est voilà, faire 6 points Ouais. et Mais arriver à ça 12 va être points. Mais dur. ça va être tellement dur. Ça va être tellement dur. On a vu au premier match la Roma contre Barça, qui menait 4-0 Oui. au bout de 35 minutes de Incroyable. jeu. Mais c'était, voilà. Donc, la Roma, ils ont cette capacité aussi à enfiler les buts comme des perles. À un moment, s'ils veulent enchaîner, ils peuvent enchaîner. Donc, Monaco va devoir faire très attention. Et est-ce que tu penses que Monaco, ils vont jouer comme contre Galatasaray, c'est-à-dire très haut et prendre possession? Parce que c'était incroyable, c'était que de l'attaque-défense, Monaco, Ouais, ils ont joué bah, très haut là. là, on va avoir la surprise de la compo Ouais, parce qu'on rappelle au hein, qu'au premier. match aller, ils ont joué en attends, 3-3-4. 3-3-4, c'est-à-dire quoi, il y avait Un 3 AC et un AIG, c'était AIG. Goebbels, il me semble. Il a Parce qu'il n'a pas le Paul poste, en fait. MLG, ouais. Et on a vu Voilà. d'ailleurs beaucoup d'équipes jouer à 3 défenseurs parce qu'on sait que ça attaque beaucoup dans l'axe. Hein. Bah, surtout que disons que tu peux jouer à 3 défenseurs en 3v3 parce que tu as quand même 3 curseurs. Oui, et Donc, plus au moment facile où d'aller chercher les côtés. voilà, et à partir du moment où ils arrivent au milieu de terrain, bah, malheureux, tu vas appuyer sur L1 et tu auras la main sur un défenseur. Donc, Ouais. tu vas pas te faire désaxer. Tu vas pouvoir défendre en 1 contre 1, tu vas pouvoir défendre en 2 contre 1 et à le troisième qui va aller couvrir. Donc, il y a quand même moyen de défendre à 3 derrière. Après, Défendre à 3 les derrière autres en années, on 1v1, c'est voyait plus jamais dur. ça. Hein. On voyait que du Non. 4-4-2. Non, du 4-3-3, c'était avec trois Du attaquants devant. 4-3-3, alors, moi, je vais. C'est pas pour encenser encore les joueurs de l'AS Monaco, mais souvent, le 4-3-3, c'était parce qu'on voyait, on savait qu'Usma Kabil jouait en 4-3-3 Ouais. comme ça, contre-attaque, passe longue et tout, etc. Bon, ben, on s'est dit, c'est ça la méta. Et donc, ça le suivait un peu. De la même manière que là, on a vu Celtic jouer en 3-3-4, Ouais. alors qu'ils n'ont pas joué en 3-3-4 au premier match. On a vu C'est l'évolution. important ce que tu dis parce que pour des joueurs lambda comme nous, enfin je parle de moi, allez moi, mais je ne suis pas le seul, il faut pas forcément copier ce que ces joueurs-là font parce que tu joues avec une tactique comme ça, je pense que tu risques de prendre Non, les tu peux bouillons prendre forts. l'eau, tu peux prendre l'eau. Donc contre un adversaire peut-être un peu moins fort où tu arrives à presser, bah waouh, Ça va. tu vas aller agresser. Mais contre un adversaire plus fort qui voit tout de suite la faille de ton jeu, parce que tu défends pas comme eux. Bah non, C'est ça le tu truc. peux pas. Oui, Tu peux pas. tu veux pas défendre comme eux. Donc là, ça peut être très dur, très Ah très tiens, dur. ils ont lancé la présentation du match. On va se mettre sur Allez. l'image. Donc il n'y aura pas la cam. Hein, vous voyez, je vous mets en. Le match en entier, c'est le plus important. Nous, on est juste là avec Soso pour vous commenter. Et bah du coup, voilà, présentation. Roxa, deux buts, une passe décisive. Kepa, premier match, deux assists, hein, deux passes décisives. Ouais. Et Et Venom, Venom, 3 bah lui, buts. c'est trois buts. Hein. Ouais, Voilà. c'est du lourd. Il est beau le maillot, j'adore le maillot. Voilà, là, donc, ouais, bah, ils ont un beau maillot, ils sont sponsorisés par M-Curse, donc Qu'avait fait une distributeur. présentation complètement folle sur Twitter Ouais, avec la vidéo là, avec le joueur qui je me avait une tête souviens. bizarre. Ouais, exactement, donc là, Mais pour le coup. ils ont réussi parce que ça a fait beaucoup parler. Ça fait Et c'est le but. parler et c'est une bonne chose. Moi, je suis content que malgré tout, que les gars de la Roma aient réussi à avoir un partenariat avec une structure très Ouais. solide et avoir un contrat quand même qui s'inscrit peut-être sur du moyen terme parce qu'ils ont signé pour 2 ans. C'est Ouais, ce qu'ils 2 ans, ont annoncé c'est sur long en Twitter. e-sport, 2 ans. Et 2 ans en e-sport, c'est pas mal. Ça leur permet de se roder cette année et peut-être Sachant que la Roma, de c'est confirmer l'année prochaine. un nouveau partenaire de cette année, hein, comme Oui, Galatasaray. exactement. Exactement. C'est un nouveau partenaire de cette année, donc au détriment de Boavista et de Nantes. Donc Oui. les deux sont passés à la trappe. Mais Bah, effectivement, Boavista, c'est pas un très très grand club de renommée. voilà, Alors, Nantes, ça c'était fait un peu voilà, chier parce que c'était c'est français. Mais après, ouais. voilà, Mais dans Galatasaray l'absolu, et la elle restait Roma, cohérente.
Voilà, Incroyable. Galatasaray et la Roma en rayonnement mondial, c'est énorme. Voilà, nous on aurait voulu plutôt on aurait voulu que les qu'ils gardent les Français ou bien qu'ils augmentent le nombre de Ouais. clubs. D'ailleurs, ouais, on C'était ce qu'on pensait que aurait ça allait préféré. augmenter, hein. Ouais, mais je Tiens, pense on que va pour voir des la raisons compo tout de suite. économiques. Ouais, Ah, là ils ont donc on voit changé. la compo. Donc ils sont repassés en 3-4-3. Voilà. Un 3-4-3 un peu plus classique avec un MDF et un MR. Un peu plus On défensif, a hein. un peu plus défensif parce que en MLD, c'est Sidibé. Ouais. Qui va donc peut-être redescendre un peu plus. Et de l'autre côté, à la Roma, c'est ce que c'est quand même aussi très important de voir ça. Ils ont bien Smalling, Fazio, tout le monde avec un 4-3-3 classique. Ils font jouer Cristante et Vertu. Donc Cristante qui a la Veretout qui carte. est fort aussi, je trouve, en requin. Effectivement, il est Il est très très fort. rapide, très costaud. Et Cristante qui a la carte destructeur. Ah oui, Donc bah, la Roma qui destructeur. a. Voilà, donc c'est un MR destructeur, ce Il qui n'y en a est pas quand même beaucoup. plutôt rare. Ouais. Ouais. Et la Roma ben, va jouer avec ces joueurs-là. Donc là, le Et en plan de attaque. Monaco, ça va peut-être pas de jouer si haut que contre le Celtic. On voit qu'ils Ben, prennent leur adversaire au sérieux. non, parce que contre le Celtic, ils les prenaient au sérieux, Enfin mais le oui, mais... 3-4-3, Ouais. c'était plus une histoire de poste. Et le 3-4-3 était plus un 3-3-4 Mais du coup, aménagé. là, ils ont sorti Goebbels, c'est Grand-Cyr, je crois, qu'ils ont mis à gauche. Hein. C'est ça, ils ont remis Grand-Cyr vu qu'il n'a pas encore été transféré. Ah oui, c'est vrai Exactement. qu'il est parti. Il devait être transféré, mais il n'est pas encore parti, donc il. Ah, encore un joueur de moins pour eux, alors ça risque. Exactement. Allez, c'est C'est ça. parti. On C'est parti. est pour Monaco, hein, les gars. On va pas On va pas se le cacher. se le cacher. L'engagement qui est très important, on le sait. Les phases d'engagement, bon là ça va, ils ont pas très bien joué, mais les phases d'engagement qui font souvent Engagement, but. c'est ouais, qui font souvent but. Alors, si pour voir si on est bien synchro, est-ce que tu es bien à 5 minutes 55, 6 minutes, Ah toi? non, je suis à 2,22,30, moi. D'accord, tu es à 2,20, Je suis 2,30. sur Ok, donc YouTube, ton... moi. D'accord, tu es sur YouTube. T'es Alors, sur ok, Twitch, je là? vais. Moi, j'étais sur Twitch, mais Ah allez, mince, on on aurait dû repart. le dire avant. Non, mais je reste sur YouTube vu que tu es sur 2,30. Ton live n'a quasiment pas de décalage, il y a quasiment zéro délai, donc on va le suivre sur ton live directement. Ça marche. Donc Bon, voilà. bah, comme on le disait, hein, en défense, on prend pas de risque, on dégage devant. Et la première phase d'attaque pour Monaco, c'est contrée par Juan Jesus. Et Ouais. à Et ouais, récupérer. là, donc on voit bien qu'ils essayent Bon, de attention, le transpercer, mais Pertel la qui est défense parti. est là en place. Il est Voilà, et là, parti. Tal. Ah, c'est Et lui que tu ouais, nous Tal. parlais, hein, le petit jeune là. Exactement, voilà, pour moi, c'est clairement le meilleur attaquant du Recca. Ah C'est ouais. clairement le meilleur. Ouais, c'est le meilleur attaquant du Pourtant, il Recca. est tout Il est petit. exceptionnel. Ouais, mais il a cette force, il a cette capacité à te faire tomber, même quand même quand tu le Ah oui, prends d'accord. de façon qui te paraît très correcte. Incroyable. Et c'est son player ID qui fait ça ou c'est ses capacités? Ben non, c'est pas sa capacité parce qu'il n'a, je crois, aucune carte. Ah oui. Ouais, c'est Tu vraiment vois? un joueur buggé, alors comme il en Un existe. vrai joueur bugué comme il en existe exactement. Ah, Donc, d'accord. Incroyable. voilà. Et là, on voit que la Roma Ouais. campe un peu dans le camp monégasque. Ah, peut-être Après, une voilà, sortie là. Ça va aller vite. une On sait que sortie. devant. Voilà, le Croix-Fort dont je vous parlais. Voilà. Directement Voilà. chercher Ballo Touré sur un côté. Voilà, et là, on se retrouve, ben, Déjà dans c'est la toi et ton surface. skill. Et t'as ta phase à Allez, le faire. corner. Allez, les phases arrêtées. En général, voilà, ils vont placer un joueur devant pour éviter les corners buggés fort. Attention. Exactement. Deuxième ballon. Ouh, Voilà. l'arrêt. Et là. Aïe, 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 Ouh, aïe, aïe, l'arrêt aïe, qui joue. incroyable. Ah, l'arrêt. Ah, qu'il joue, de toute façon, c'était ça. Il avait Pellegrini, frappe pied gauche. Mais Ouais. c'est pas fini. On sait que quand tu as réussi. Ah, non. Ils se Attention, défendent bien. ça lance devant, Voland qui relance. Ouais, c'est hors jeu. C'est C'est dur, hors c'est jeu. hors jeu. Et Voland qui est en est-ce que feu tu. là avec Monaco, hein, qui a encore marqué Ouais, il a hier. encore marqué hier. Ouais, non, c'est très, très fort. Bah C'est alors très, même très si fort. les statistiques ne jouent pas sur l'eFootball Pro, voilà, on est content On pour est lui. content. Voilà, on est content pour lui. Et nous, là, ce qu'on espère, c'est que Kovac nous fasse sortir plein de petits jeunes, là, et Attention! qu'il fasse jouer plein de petits jeunes. Ouais, c'est clair. En coupe Et notamment. là, ouais, on Ah, a. Voland là qui avait une bonne occasion. Hein. Bonne occasion. Ça a Voilà. été contre au dernier moment. Par qui? Mancini, là, pour le coup, c'est Mancini qui contre, mais c'est. Même Mancini, Ibañez, Juan Jesús, les quatre sont exceptionnels, tu vois. C'est vraiment. Ouais.
Alors moi, j'insiste sur Smalling et Fazio parce que ça dépasse l'entendement. Oui, mais les autres sont forts. C'est ça, ils sont vraiment tous très forts, quoi. Ils sont vraiment tous très forts. Et là, on voit qu'on a sur un ratio de passe à 2/3 pour les deux. Ouais. Beaucoup de passes qui sont contrées, les lignes de passe sont plutôt Bah ça, c'est bien les lues. serveurs qui sont lourds aussi, hein. Ça aide Les pas. serveurs sont lourds, les serveurs qui sont lourds, ça n'aide pas. Et surtout et surtout quand même les lignes de passe sont plutôt bien lues. Donc Bon, là, ils devant, ont ça va mis, chercher Dzeko avec la Roma et Monaco, ils vont chercher Pellegrini qui est très grand aussi. Ils ont oui, leur point c'est d'appui des deux côtés. ça. C'est les points d'appui, c'est les pivots pour justement pouvoir. C'est les pivots justement pour pouvoir repiquer, repasser leur point d'appui et trouver les attaquants. D'ailleurs, on a Attention. Dzeko. Ah, Oh. il s'est servi de l'appel sur le côté pour tenter la frappe. On sait que ces frappes-là, ça marche souvent à l'entrée de la Elle surface cette marche année. bien, elle marche. Ouais, elle Surtout qu'il y a le marche. petit décalage juste avant, le gauche-droite. Ouais, c'est le décalage qui est. Le Ouais, comme les décalage est fins bien de vu, frappe, hein. l'action. Les Voilà, fins de frappe l'action sont. est jouée correctement, mais voilà. Les fins de frappe qui font Elle bugger un peu les gardiens cette année, je trouve. Alors, sur ces serveurs-là, on va pas voir beaucoup de joueurs tenter la feinte de frappe. Je sais pas Ah ouais? si tu as testé un peu Ouais, les j'ai vu, serveurs c'est vrai. de l'Open. Le carré croix et les joueurs poussent beaucoup le ballon. Donc, sur des serveurs Ah! plus lourds, ils poussent la balle. C'est pour ça que c'est D'accord. pas quelque chose qui est très tenté. Alors, regarde, là, on voit le dégagement qui va pas au bout Ouais. de Magicky. Le dégagement, il m'a fait peur. Hein. Ouais, Pourtant, il bah était ouais. jauge à fond en manuel et c'est pas parti Chose à très loin. fond et c'est pas parti, ouais, effectivement. Ouais, ça, du Alors coup, là, c'est. Ah, bien, belle oh, récupération de bien, Voland, bien là. récupéré Walid, ça c'est du Ah, on le skill de voit Walid. là, le Tchouaméni qui prend le ballon, qui le pousse un peu loin. Il le pousse exactement. Les contrôles sont toujours un peu longs sur des serveurs qui sont lourds. Et Et qu'est-ce qu'il faut faire du coup quand c'est comme ça en tant que joueur? faut jouer plutôt lentement, arrêter, Là, t'as jouer. intérêt de lâcher le R2, enfin Ouais, l'accélérateur ou le obligatoirement. voilà, tu l'accélérateur, tu dois pas du tout le toucher. Et là, regarde, Peut-être là, peut-être on est sur là, les phases Voland, habituelles, et le coup de Manu, Walid. oui! Et bon, Super! Kevin Colland et c'est Walid. Ouais. Usma qui marque, on le voit. Oui, alors Rachid qui demande s'ils sont tous en assistance 1. Oui, c'est vérifié par les administrateurs avant les matchs. Et ils sont tous en Et assistance 1, quel obligatoire à du football. sang-froid, hein, quel sang-froid devant le but. Parce que ça prend bien le goal Manu. Bah Ouais. lui, il essaye de feinter le goal à partir à gauche, revenir à droite au premier. Exactement, mais voilà, Walid c'est sur ça, c'est sa force. C'est un C'est tueur. Et ça part de la devant récupération de Voland le long de la ligne de touche exactement. un tacle là, qui est incroyable. Attaque incroyable, et derrière, il phase, et le petit décalage, le petit triangle de Kylian, si je De dis pas de Kylian bêtises. encore, ouais, je crois que c'est encore une passe D de Kylian. Bon, Voilà, alors c'est. ce sera pas le but de la journée, mais on prend, c'est un but, on prend. Et il est très important. Il est très important. Pavlovic, voilà, qui se dégage. Il faut faire très attention parce que Ouais, la Roma, on est encore là, en angle, là. voilà, on est encore en phase Bien Ango. joué, Maripane. Maripane. Et Ah, et là, donc ça ça, va aller la vite. force de Monaco. Donc ça veut dire que Monaco, effectivement, en valeur intrinsèque, on aime bien dire que c'est l'équipe la plus faible, mais leur défense est quand même Ouais, plutôt bonne. c'est costaud. Attention, encore. Oh, Derrière dommage! les gens, et voilà. Ça, Ah, c'est c'est quoi ce typiquement contrôle? du serveur. C'est Ah ces là là. contrôles-là, c'est les contrôles du serveur où quand la balle elle est un petit peu levée ou elle passe au-dessus de toi. Sur Et ta. regardez Ah, là. la balle. Ouais, bien joué. Bien revenu, Pavlovic. Et là, on voit pas, malheureusement, c'est ça qui me dérange avec leur habillage qui est beau, mais on voit pas s'ils sont passés en défensif ou. Ouais, on voit pas ça. Je sais pas Je si pense pas qu'à 1-0, ils passent en défensif. non, je pense que Oh! Monaco joue nature. Mancini, oh là 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 Oh là. là Et tu là vois là sa là! carré. Ça carré, on va chercher là. Et Faut là, aller par contre, chercher. faut dégager Il y a loin de la collision et ça dégage loin. là. Et regarde, et c'est ça quand je te dis Ouais. les Ouais, dégagements oh, et en visés. plus, il la récupère. Magnifique. Ben oui, c'est visé. Ça veut dire que c'est pas du Magnifique. hasard. Oui, C'est alors du que dégagement visé. toi, Voilà. déjà, quand tu vas penser, joueur lambda, à dégager, tu le fais à l'arrache. Mais là, dites-vous, il est pressé de tous les côtés. Il arrive à viser en même temps. Voilà, c'est exactement ça. Et Attention, c'est deuxième parce ballon volant. Ah, il y avait peut-être ah. mieux à faire là. Il y avait peut-être une passe. C'est qui? C'est. Alors c'est orange, donc ça doit être c'est l'autre fille. C'est l'autre. Et c'est C'est un peu l'autre fille. précipité. Et ouais, et ben là il est en position où il regarde, il y a Smalling, il y a un deuxième Ouais. pied qui arrive et il sait que que Pellegrini est hors jeu s'il le fait en triangle. Donc Ah. il ne l'aura pas. Donc il doit la tenter ici, je Peut-être que gratte serveur quelque chose. normal, il aurait fait feinte de frappe avant. Ou carré croix,
Et après, repartir de l'autre côté sur un serveur moins lourd, ouais, peut-être. Et encore, c'est. Mais après, c'est un match à pression, tu as envie de faire des Ah oui, choses en que tu sais plus. Ah bien sûr, faire. bien Tu veux sûr. faire vraiment des choses que tu sais faire et que tu fais bien. Donc, si tu prends pas ce genre de risque, Et je regardez, hein, pense. énormément de passes manuelles. Hein. C'est comme quoi, Ouais. joueur pro, Voilà. qui joue en assistance 3, c'est faux. Et ça joue en assistance 1 et ça fait énormément de passes manuelles. Et du Fait coup, on est beaucoup de déjà à la mi-temps. On est à la mi-temps, Walid qui a 777 points, donc on sait qu'il se base sur ça pour élire les MVP, Ouais. pour les points et les stats. Walid qui est en avance donc sur ses adversaires, c'est son but qui fait la différence. Après, on se fie pas vraiment Oui, on sait que les à ces points chiffres, en coop, c'est que des fois, ça veut c'est rien des dire. algorithmes qui calculent. Et en fonction de l'implication dans le jeu, mais tout le travail de l'ombre n'est pas forcément noté. Et Ouais. c'est là où on voit que l'autre fille n'a pas fait d'erreur. On le voit avec peut-être la plus mauvaise note, mais il n'a Bah fait oui. aucune erreur. Il a fait ses contrôles et ses passes et il a joué dans le sens du jeu. Bon, Et ça reprend. on sait qu'un 0, ça veut rien dire sur PES. Déjà, même 2, même Voilà. 3-0, ça veut rien dire. Mais alors là, par contre, là, ils ont l'engagement. Ah, elle est un peu forte, dommage. Ah, elle est forte, c'est un peu dommage. Ah oui, mon JBK, c'est pas le même jeu. Déjà, en 3v3, c'est pas le même jeu. Mais les serveurs sont pas les mêmes, donc ça fait la diff. En fait, je sais pas si vous avez joué. Attention, peut-être là. Ouh, ah, ils ont fait Mayoral! passer. Ah, Ah, c'est but. dommage. Ah, Bien c'est joué. but. C'est Ah, une but. récupération haute. Et puis. Ouais, c'est l'autre fille qui arrive pas à se dégager. Et ils se sont récupérés le ballon au milieu de terrain. Et Et derrière, c'est dangereux parce que bah voilà. derrière, c'est goal tout de suite. Hein. Bon, c'est pas grave, c'est pas rédhibitoire. Il y a encore Non, beaucoup de c'est temps à pas jouer. immérité sur l'ensemble, sur le match. Ah, c'est Ouais. Dzeko hein, qui vient gratter le ballon. Bon, puis Ouais, derrière, c'est il ça. lance tout de suite. Hein. Et puis là, premier poteau. Et ça fait but. Ouais. Ah, Donc, c'est. c'est dur à défendre à partir du moment. Bah, à ce niveau-là, dès que tu arrives aux 10-15 mètres, tu es seul. C'est rare que Oui. tu te loupes, à moins que l'autre fasse un manu L'arrêt, de lui. enfin, ouais, Voilà, un l'exception, vrai l'arrêt. manu de génie exceptionnel, tu Bah vois. là, il a pris le Manu, mais il est resté au milieu, donc. Ouais, c'est pour essayer de le perturber. Bon, tu te dis, voilà. Mais c'est pas Oh, fini. dommage. Ah, il a voulu jouer la passe croisée. Allez, grand sire, Oh oui, c'est là, trouvé. et là, et Oh là, et là, là! et là, tu Bah sors là, ou pas? l'arrêt. Ouais, il rate. Ah là Aïe, là, aïe, c'était bien joué, hein. c'est bien joué, Cette c'était passe, elle ça. est Alors, incroyable, là. Cette passe que. ouais, qu'il joue à chercher, Ouais, ouais. là, celle-là, avec Pellegrini, pour aller le chercher, Ouais. là, moi, je l'avais même pas vu. Hein. Alors que j'ai Ouais, pas la c'est. manette. Ouais, ils sont. Bah, de toute façon, on voit, ils jouent beaucoup dans les intervalles. Ils essaient de jouer sur des diagonales qui sont Ouais. difficiles à anticiper pour les défenseurs. Les C'est diagonales ça, sont le. très fortes. Voilà, c'est ça Sinon, l'heure. ça Et là, joue. attention, Oh Ali, là Ali. là. Oh, le corner, premier poteau, très fort là. Joue à fond. Ça, c'est Et c'est pas Ousmane fini. qui l'a sorti, Il a celle-là. démocratisé. Ouais. Et tu vois? Et là, on l'a vu dans le dégagement, on le voit, il n'arrive pas à se dégager correctement, le joueur de la Roma. Alors, il y Encore va, une fois, croisé, passe, oui! Pellegrini, c'est qu'il joue. Magnifique! C'est Magnifique! bon. Bah, je crois que c'est Ousmane Allez. pour qu'il joue, non? C'est Usma pour qu'il joue. Magnifique! Magnifique! Et encore une fois, la passe à l'incroyable, parce qu'il peut tirer, hein! Il est bien Ouais, placé, grand cire, hein! mais ils veulent frapper pour marquer, Ouais, voilà! ils veulent frapper pour être sûr de marquer. Et là, ils jouent un match Oui, qui, c'est on le pas des voit, tirs pour les il est stats, hein! dur. Voilà, ça tire pas de loin, ça cherche pas des, voilà. Et c'est Bah, l'autre fille, hein, ouais, qui c'est fait l'autre la, fille! c'est l'autre fille. Non, non, c'est l'autre L'autre fille, fille ouais! pour qu'il joue. Donc C'est l'autre l'autre fille fille! pour qu'il joue. Bon, Donc il tu se vois, il rattrape! s'oriente sur le côté. Regarde là, tu vas le voir. Il s'oriente sur le côté avant de faire son petit triangle. Ah! Et ce décalage, c'est ce qui fait que le triangle va fuser. Et qu'il joue aussi dans son contrôle. Il se met en diagonale avant de Directement. frapper. Ah. Il se met en diagonale avant de frapper. Parce que ça fait le contrôle. Ça évite le nerf de la frappe sans contrôle. Parce que la Bien. frappe sans contrôle, elle va souvent à l'extérieur. Et là, ça évite le nerf de la frappe sans Oh, contrôle. attention, Oh là là, l'angle. il se prend le kick-off. Oh là là, et c'est but. Non, on le sait, on le Et c'est doublé dit. de Alors, il y Roxa. en a moins Doublé que les autres. Je trouve qu'il y en a un peu moins que l'année dernière avec 2019. de Roxa. Parce Ouais, que c'est sur le tellement dur. 2019 et le 2020, il y avait presque à chaque angle, il y avait un but. Mais on en voit encore trop. Ah, c'est dommage parce On en que. voit, c'est dur. Ouais. Alors, C'est est-ce qu'ils dur, doivent c'est pas dur. tacler? Est-ce qu'ils doivent pas faire la faute là? Bah Trop là, je facile à sais pas. dire. Là, pour être honnête avec toi, j'étais encore dans le commentaire de l'action Ah, oui. précédente. Mais Ah, ça passe à là, c'est travers. vrai qu'on voit que Bah, voilà, en plus, les deux sont ils un peu montent à en deux sur le retard. passeur, donc ça libère le buteur. Et c'est ça, on voit vert et violet. Donc on voit Usma et Kilsiu Ouais. pressés. Et finalement, ils laissent une brèche. Bon, ça nous fait du spectacle, mais. Alors, Ça nous fait du spectacle, mais ça nous fait monter aussi la tension. Et tiens, là, ce qui Robert, vient de se regarde. passer,
un tacle Et pour le voilà. découper, se découper notre fille et pour que le Pour kick-off casser le soit, script. voilà, il est annihilé. C'est ce qu'il faut faire. Malheureusement, hein. C'est vrai que ça, on devrait pas le dire, mais c'est ce qu'il faut faire. Attention, Dzeko, il est parti! Oh là là, heureusement que Pavlovic est sur la trajectoire parce que là, il partait tout seul. Alors même s'il est pas rapide, il aurait eu de l'avance. Hein. Oh, il aurait eu l'avance, hein, parce que les défenseurs ne sont pas non plus, c'est pas des Ouais, flèches. c'est pas des flèches, ouais. Ah, okay. Ouais, attention, parce Hop. que là, il trouve de l'intervalle hein, dans le dos. Là, il Attention, les trouve et Tal qui là, regarde, repousse. c'est le Tal. Eh oui, Tal, c'est Attention. Tal. Oh là là, heureusement qu'il trouve Ah, pas il trouve pas Mayoral. Dzeko. Ouais, au Mayoral, c'est vrai, Ouais, c'était là, Mayoral, je mais pense que c'est heureusement. Mayoral qui visait en petit retrait là. Ouais, c'est ça. Et Oh heureusement là qu'il le là. trouve pas. Mais t'as vu alors quand je te dis que Tal met les mains, tu vois, il les met en fait. Ouais, Que alors que l'autre, il il a carrure, elle est deux fois plus grosse. voilà, Ils mais sont il met dans les un mains. temps faible, hein. Là, ils ont un momentum contre eux, on le sent. Ouais, là ça va pas, là ça va pas, c'est le moment de faire les changements et c'est but. Ah, c'est pas vrai. On le dit, on les a sentis, les temps forts, temps faibles, On là. le voit et on voit la collision Ouais. Les passes qui n'arrivent pas quand ils essaient de sortir. Ouais, Faut c'est pas dur. qu'ils lâchent après. J'ai l'impression que l'égalisation, elle leur a fait mal à la tête. Bah, de se manger un kick-off comme ça, en Ouais, plein milieu, derrière, tu surtout sens quand tu mets un beau que. but juste avant, où tu as galéré un peu. Et tu galères, c'est ça, le fait de Ah. galérer, c'est dur, et c'est tellement dur. Après, voilà, le problème, on le sent, la puissance d'équipe. Ouais. Regarde, le L1, le L1 triangle, là. Donc, là, Tal, il Ah trouve ouais, le en joueur. une touche, c'est vrai que L1 triangle en une t'as raison, touche. le L1 triangle, il est incroyable. Même avec des boosts 92, des 95 des On légendes. n'arrive pas à le faire, quoi, Ouais. tu vois. Et le L1 triangle, il arrive, tu C'est vois, en une qui? C'est touche. Veretout, ça? Ouais, c'est Veretout. Voilà, Ouais. et Majeki qui fait une sortie de. Voilà, et la Merde. balle qui revient. On Ah là comprend là. que. Donc là, on comprend que c'est. On Là, comprend que. Voilà, connaissant Walid, ça doit rager, là, ça doit crier. Là. Bah, forcément, parce que honnêtement, c'est normal. Ouais. C'est très compliqué, tu vois, quand tu manges ça, que Ah, toi, c'est dur à la... ça tu fait mal à sens la que le tête. jeu te plombe. Parce que là, c'est ça, tu sens que le jeu te plombe. Le goal qui te fait une sortie, mais Bon, allez. chaotique. C'est que la 65e, il y a le temps encore, il n'y a qu'un but d'écart. Alors ça fait rentrer Jovic à la place de Voland. Or Jovic qui a un grand gabarit aussi qui peut leur faire du mal, du bien. Jovetic qui est vraiment pas Et mal. À gauche, Goebbels. Ouais, et Goebbels Goebbels, ouais. qui est fort, Voilà. Goebbels. Grand Goebbels qui Zizou, va mais courir, ils font mettre la leurs trois changements. toujours les trois changements. Toujours les trois changements. Alors, ça, c'est l'école USMA. Ouais. 60-65e minute, autant faire les trois changements. Il faut mettre de la Il y vitesse a deux devant, matchs. des appels Ah. devant. Donc, Bon, vu là, qu'il faut par mettre contre, de ils la n'auront vitesse. pas l'avantage du Joker dans leur changement, vu qu'ils ont enlevé les Jokers, on vous rappelle, en Mais ils auront recalibré. des appels. Ils auront des appels. Et bon, le Joker, c'était quand même. Moi, j'en ai vraiment profité de cette carte Joker. Ouais. Mais Joker, ouais, c'est quand même une carte Qui est incroyable. qui ruine un peu l'expérience Alors, de c'est quoi, jeu. plus 10% quand ils rentrent en stats? Alors, il y en On ne a sait qui pas disent vraiment, mais il plus y en a 10%, qui disent ça. il y en a qui disent plus 15. Ah oui, Non, oh, plus déjà plus 10 quand 14. le joueur il a 90, c'est énorme. Or plus C'est 15. énorme. Mais tu le Voilà. sens, hein, tu le sens. Et tu le sens. Et C'est dans le incroyable. player ID surtout, tu vas voir, dans le player ID, il va se démarquer, il va faire des Ouais. appels. Il peut être pivot, il va te faire des appels Moi j'ai d'opportunité. Morata en Joker, il Voilà. est incroyable. Allez, le Donc corner voilà. peut-être là. Voilà, ouais, ils ont un peu peur. Ils ont un peu Ouais, peur ils là. sont un peu faits dessus là, comme on dit. Ouais, Ah, il est c'est clair. sur Et Marine joue. Pan. Ouais. Il n'est pas Dommage. parti, qu'il joue pas assez vite. Donc bon. On se souvient que l'année dernière, ils ont mis du temps. Ils ont pas pris leur première défaite aussi tôt dans l'année. Leur première défaite est arrivée tard. Donc on va leur souhaiter au moins la Peut-être. même Voilà. fortune. Ah, la passe Ah, retournée de Vetic. peut-être Ah, la passe manuelle là qu'aurait. Je sais pas. ouais, ou s'orienter avant de faire Il la aurait passe. peut-être eu. Ouais. Mais après, avec les serveurs, des fois, tu crois que tu vas t'orienter et en fait, Et le tu joueur ne bouge t'orientes pas. pas, bien sûr, bien sûr. C'est. Surtout que c'est Kilzou qui l'a fait cette passe, on connaît son aversion pour les passes retournées. Donc Ouais. Donc. c'est Oh, magnifique forcément ça! Magnifique bien ça! joué. Allez, votre fille, Oh! fini! Je suis Oh sûr qu'il tire en première intention et ça lui fait non! faire un contrôle éclaté. Ah, oh, l'action, elle était magnifique avec la talonnade. Talonnade, c'est dommage. C'est Bon, dommage. attention Et parce que regarde là. derrière, Zaniolo, l'un des meilleurs joueurs du Roca aussi. Qui est J'ai rentré oublié. et qu'ils n'avaient pas mis au départ. Hein. Ils n'ont pas mis au départ et c'est l'un des meilleurs Je crois joueurs. D'ailleurs. qu'avec à cause de toi, mon Soso, tout le monde va prendre la Roma Romain.
En recale. Ouais, bah, il faudrait la tester, mais je pense que les gens auront d'excellentes surprises. Ah, Ah, ça ils ont fait essayé de mal. casser l'action. Oh là là, Ah, 77e minute. Ah, 77e, c'est ça va commencer à gagner du temps. Ça va, mon ah, doc? ça va jouer la montre. Hein. Ça va jouer la Ah, montre, c'est le c'est jeu, hein, sûr. c'est le jeu. Hein, C'est le bon, bah. jeu. Ouais, Hop là. peut-être. Oh là, mais c'est quoi ça? Aïe, 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 aïe. Oh! Mais on Oh dirait qu'il a mis la main sur le ballon. là. Ouais, c'est. Mais ça, c'est. Ça a fait un truc bizarre. Je croyais qu'il y avait coup J'ai eu. franc et qu'il voulait la jouer vite. Regarde là. Non, Ah non, il non, tombe. non. Oh, Ouais. Il attends, est en se touché, relevant. Ah, s'il la en met, fait. celle-là, ça peut être le but de la journée. Ah, mais là, c'est. Là, on voit. On voit les. Ça, c'est ce qu'on appelle les scandales des serveurs, tu vois. Attention, corner. Ah, on sait que les pareils, hein, les contre-corners, ça fait très souvent C'est ça. but. Si Karim, il y Ça aura fait. une compète 1v1, mais pas avec les joueurs pro, avec les joueurs Amateur. en eFootball Open, justement. Alors Voilà. attention, quand on dit amateur, on va retrouver d'anciens pros, très certainement. Asbabis qui s'est qualifié normalement. On va Ouais. avoir du Campfer en français. Voilà, il y aura du. Il y aura du. Christopher Maduro-Moret, qui Il y est. aura du monde. Hein. Voilà, Il y il y aura aura du du. monde. Max Gerdé, le Toi, frère d'Alex Alex. Gerdé. Ouais, là, ouais, il y aura du lourd, c'est sûr. Il y a du monde. Il y a énormément de monde pour très peu de place. Hein. Un système Ouais. très élitiste et Et c'est. très. On ne sait pas encore comment ça va exactement se passer la dernière phase, mais. La dernière phase, il récupère 4 personnes des online finals. Donc 4 sur 450. Mais comment il les récupère? C'est eux qui choisissent? Ça va être sur. Non, sur. Il y aura une autre Ah oui, série de matchs encore une autre. Il y à aura une faire. Il y troisième aura phase. une Oh. troisième phase avec Ah ouais, seulement alors les là, 4. ça va être la guerre. Parce que 4 pour 450, surtout avec le niveau. Exactement. Ah bah, c'est t'as tout compris. Allez, attention. Attention à le deuxième ballon. Dommage qu'il ne récupère pas. Il récupère pas Juan Jesus qui Allez, joue attention, à Disasi, il faut qu'il aille vite. côté. Il va, Ouais. qui Il récupère. récupère. Allez, c'est maintenant. Il va leur en rester des occasions. On est qu'à la 82e. On sait Voilà, qu'il ils peut y savent avoir que l'on 5-6 joue minutes. encore. Bien Ils joué, savent. Tu Kalibé. vois les types à la Oh, touche. le gros carré. Oh, aïe, 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 On aïe. voit, hein, ils ont du mal à enchaîner les passes. Hein, c'est Ça n'arrive pas. pas à sortir. Ouais, c'est Regarde pas là, les habituel. C'est pas coups de habituel. Allez, bien joué. Voilà. Il a trouvé Grand Cyr. Enfin, Alors, le j'ai tacle. l'impression qu'il y a une latence incroyable. Ah, c'est très très Je lourd. sais pas, Ça, j'ai c'est. l'impression qu'il y a une latence pour Monaco qui est incroyable. Ah, c'est. Bah, c'est. Il y a une latence qui est lourde. Ça, le match est lourd. Ça se sent, Ouais, mais de on toute dirait que façon. moi, elle est, je sais pas, on dirait qu'elle est moins lourde pour les Romains. Ouais, c'est. Ouais, c'est peut-être du ressenti. Mais je pense que pour eux aussi, il y a une part aussi. Hein. Il y a toujours Ah, une part regarde. de part de Regarde, screen. regarde. Allez, en tout cas, ce serait bien qu'ils aillent au moins accrocher le nul. Voilà, Ah, le ça nul serait pour bien. prendre 4 points. Pour prendre 4 points, donc ouais, oh là là. Ah, bien joué là, la déviation est magnifique. Attention, ça part derrière. Et Ah, là, bien vu. là, Pote, il va attends, c'est quoi ça? revenir en Manu. Hop là. Ah, le dégagement. Pote Ouais, Gourami. Oh, j'ai jamais entendu parler. Allez, c'est Zaniolo. un MLD à 85, plutôt bon. D'accord. Rapide, bon. Et Ils sont là. chez eux? Ah oui, tiens, très bonne question. Est-ce qu'ils sont chez eux? Est-ce qu'ils jouent au même endroit là? Non, ils sont chacun chez Chacun eux. chez eux. Chacun chez eux, donc c'est online et c'est très bien supervisé par EMR et Konami. Et Donc Konami également. il y a le problème des connexions des joueurs plus des serveurs aussi. Hein, donc ça Voilà. peut faire des trucs. Mais on sait Allez, que. Bon, allez, allez, la peut-être là. dernière. La dernière, Pellegrini, Ouais. Walid. Pan qui était monté, le défenseur. Il est parti, Goebbels? Ah non! Oh Oh, oh non! 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 Allez, il récupère C'est parti Maripane. avec Walid. Allez! Oh Là, non! C'est trop les lent. agneaux. Récupérer, là, il dégage loin. Ah, il Il va reste chercher. encore. Il y en a encore une. Il y en a encore une. Allez, Oh, elles sont Kilzouk. trop. Il met 2 ans. Oh, c'est fini. Voilà, c'est fini. C'est fini. Ah, malheureusement. Ils vont le Ah, prendre. Ouais, puis ça garde le ballon. Ouais, c'est fini. C'est c'est fini. fini. Ah, c'est dommage. C'est dommage. Il gagnait. Hein, il gagnait. Hein, il gagnait Allez. 2-1. Et derrière, ils prennent le 2-2 sur l'Angole. Et le 3-2 dans la foulée. Foulée. Ouais, alors on sent que bon le match était malgré tout plutôt équilibré. Ouais. Les joueurs ont fait ce qu'ils devaient faire dans leur match, tu vois. Mais ce qui s'est passé, c'est voilà, on a une équipe qui vraiment a une valeur plus forte que l'autre et Et on voit la différence. Roxac est passé devant au niveau des points, 1800. Ouais, il est passé devant parce Ouais. qu'il a mis des buts. Il a mis deux Ouais, il a buts. mis les buts.
Donc, deux buts et une passe D. Bah, tu l'as dit tout à l'heure, hein, là, ces joueurs-là, ils sont capables en accélérant de te planter deux, trois Trois buts, buts à d'affilée. Bah, c'est ce qu'ils ont fait, ils en ont mis deux. voilà. C'est vraiment. Bah, alors là, je sais qu'ils doivent être Ouais. extrêmement, extrêmement remontés. Et là, en plus, ce qui est dur, c'est qu'ils peuvent pas se parler. Et ils sont en casque ensemble les uns avec les autres. Bon, ils doivent faire quand même un peu attention. Ils font attention à leur vocabulaire parce que c'est Ouais. capté. Mais. C'est pas comme Mais. s'ils étaient dans la même pièce, quoi. Ils sont pas dans la même pièce. C'est compliqué. Après, ils essaient de mettre en application tout ce qu'ils ont travaillé ensemble. Alors, tiens, petite question. Est-ce qu'ils sont en vocal avec leur coach aussi, avec ils Non, découlent je ou ne pas? pense pas qu'il découle soit en vocal avec eux. Je ne D'accord, pense ça pas doit pas qu'il être découle autorisé. soit Mettent ou des vrais peut-être. buts, hein. Ils mettent des vraies phases, hein, les Monégasques. Voilà, c'est peut-être l'une des seules équipes à avoir réellement maîtrisé la méta-coop, c'est-à-dire Ouais. les petites passes, les orientations. C'est un travail colossal qui a été fait. Et quand Ah, tu vois c'est que ce vrai que travail colossal, il t'as le est. premier but, il le prête sur une paire de balles, le deuxième sur un engagement. Et le troisième sur un goal qui fait n'importe Ah oui, quoi. ah, c'est vrai qu'ils ont, il y a de quoi rager pour eux. Il y a de quoi C'est pour rager. ça. Voilà, eux cherchent à construire, ils cherchent à. Bon, bah forcément, ça part d'une erreur. Tout but Ouais. part d'une erreur. Oui. Mais tu vois qu'ils ont toujours quand même. Là, c'est une erreur évitable de l'autre. Ils n'ont pas la collision dégueulasse. Ouais. Ils n'ont pas ces trucs-là, tu vois. Ils n'ont pas ces choses-là. Et c'est jamais pour eux, c'est souvent contre eux. Par contre, C'est souvent. j'espère que ça, parce qu'on l'a vu, hein, à chaque fois match aller-retour, il y a souvent une équipe qui domine l'aller, une équipe qui domine le retour. J'espère que ça, c'était pas le match où Monaco dominait Non, mais parce que. de toute façon, je crois que cette histoire de dominer, pas dominer, c'est au final, ça c'est par le résultat du match que ça se traduit. Ouais. Donc si, alors c'est une théorie, hein, comme une autre, comme, mais Parce que là, oui, c'est pas hébergé en match aller-retour, hein. non, c'est pas hébergé un Ouais. match aller-retour. Il y a des nouveaux, Allez, c'est c'est des reparti. nouveaux serveurs et c'est reparti. D'ailleurs, ils sont sur ils ont dû changer de serveur parce que les Ouais, c'est couleurs ont pas les mêmes. changé. Ah! Ouais, Voilà. Kylsu est en jaune, l'autre fille en rose et Ousmane en bleu. Et Exactement. allez, ils sont à l'attaque, c'est eux qui ont l'engagement. Bon, là, l'engagement est annulé, mais ils sont à l'attaque. Allez, bien joué cette passe! Hors jeu, non? Magnifique! Elle est belle, elle Magnifique! Et Kylsu encore, hein. La passe voilà. est incroyable, je l'ai même pas vue. Et là, pour le coup, on sent que. Et en plus, On c'est qui s'efface là? C'est Grancia. Ouais, c'est Oh, parce qu'au face. début, tu crois que c'est lui qui va prendre. J'ai l'impression qu'il s'enlève Il s'enlève en en super super cancel. cancel. Il s'enlève en super cancel parce que Prends un la coup. passe, elle est parfaite Oh, pour mais lui. pour penser à ça, c'est Ah, incroyable. Pour penser à s'enlever d'une passe où tu es devant le but. ah, c'est alors il s'entraîne, il s'entraîne, Ah il ouais, s'entraîne, mais. il s'entraîne. Et c'est l'autre fille qui s'enlève. Et tu vois là Ouais, encore, l'autre fille l'intelligence. qui a 1200 points et tu vas dire, oh, l'autre fille, il n'est pas Ouais. bon. Ben non, et regarde l'autre fille. Si l'autre fille prend contrôle et rate l'action, on dira rien parce que c'est normal de la rater. Ben Mais oui. le fait de l'enlever, c'est. Allez, attention. Oh, oh, j'ai Allez, cru que Maripane, l'autre il fille qui allait la dégage. laisser passer. Et regarde, l'autre fille qui dégage, retournée Ouais, dans les pieds de Francière, incroyable. tu Allez, vois. peut-être Pellegrini, là, il est parti. Allez, Allez, faut leur pour faire l'autre mal tout de fille. suite, là. Ah, faut les En punir, faut retrait. les punir. C'est repris. Ouais, ça va être différent. J'ai l'impression que les serveurs sont un peu moins lourds. Je sais pas ce que Ouais, t'en peut-être penses. le fait qu'il soit à domicile, il y a aussi cette théorie-là, il y a toujours ce truc. Ouais, À domicile, bien tu te joué. sens peut-être mieux. Et là, c'est bien joué de la part de Walid. Il Dommage. prend sa faute ou pas? Non. Si, il prend sa faute. Il prend sa C'est bien. faute. Bah bien, Ah magnifique ça. oui. Ah, Eh ça, oui, c'est pareil. C'est des combis qu'ils ont dû travailler. Ça va pas faire voilà. n'importe quoi. Et. Oh! C'est lobé, pas lobé, Moi, j'y c'est. ai cru. Hein. C'est Fazio qui vient de lui enlever là. Ah ben, Fadio, tu ne lopes pas. Hein. Ni Ah, c'est vrai Fadio, qu'il ni. est très grand. Regarde, regarde. Ah, Ah là là. dommage. Ça a tenté la talonnade. Bien joué le Mais tac. pressing, pressing Ouais, tout terrain. Florentino Luiz là, Walid, qui en fait du il a bien. contre. Il a son contre. Ah, il va Encore, y aller encore, le encore, chercher. encore. Oh, punaise, l'autre fille. Oh là là. Allez, ça va chercher Dzeko forcément. Et Dzeko qui dévie en Manu. Bien joué Ah, ça. et ça se Et dégage pareil, fort. tout de Arrive dans suite. les pieds d'Usma. Usma qui va, il n'y a Allez, pas volante en hors-jeu. appui. Ça lui remet. Pellegrini Voilà. contrôle orienté. Il y a faute. Il y a Ah, faute. non, Non, ça n'a vu jamais qu'il été ne tombe sifflé sur pas. PES. Vu qu'il ne tombe pas, il n'y aura Ouais. pas faute. Il faut Ah. tomber.
faut tomber pour que ça. Allez, le match, il est. Et le match, pour l'instant, c'est attaque, c'est attaque dans tous les sens, là. Ça, Ah, c'est ça, c'est c'est. Et regarde, magnifique. il C'est les arrive et deux regarde côtés. Pan. Il est tout seul, étale, heureusement que Maripane. Oh, le Attends, là, chien. si Tali marque entre Disasi et je sais pas qui c'est l'autre défenseur, là, Ah, il l'aurait mis. Hein. il Moi, est je te tout le dis petit. qu'il l'aurait Par contre, mis. on n'a pas vu les compos. Est-ce qu'ils ont changé? Je pense Non, de manière pas. générale, ils ne changent pas les compos. De manière générale, ils ne changent pas Ah, les il faut compos. absolument, hein, on va pas se mentir, là, il faut absolument qu'ils prennent les 3 points pour, parce que là, sinon, bah. Et bah, le retard, l'avance cumulée au premier match, bah, Bah elle est oui, tout. il serait annulé, parce que là, il y a Schalke, Barça, la Roma, Monaco, Arsenal, ils sont tous à 6 points, à part Manchester qui est à 8. Exactement. Donc le fait d'avoir fait les 6 points lors de la première journée, ça leur donne un petit joker. Voilà, Mais un mais il faut pas le joker griller tout de suite. déjà, quoi. Bah, déjà quasiment grillé en ayant perdu un match, quoi. Ouais, Puisque c'est maintenant, il vrai. suffit que la Juve fasse un 6 points ou un Bayern refasse un 6 points dans les prochaines journées. Et ce sera une avance qui sera peut-être. Ouais, la Juve des Torito, hein, le vice-champion du monde. C'est la grosse équipe. Attention, magnifique volant. Tout Allez, seul. allez, Oh Walid, il non, rate, assure. Ah, oh là là. Il rate, dommage. Walid. Il rate. Ah là là. Salut Gigi. C'est la grosse. Pour toi, c'est le gros favori, la Juve, cette année? Non, je vois le Bayern plus Tu as le fort. Bayern? Ah, c'est avec le Bayern. En plus, ils ont enfin, avantagé. Ils ont une équipe énorme. Ils ont une Les équipe joueurs, ils se énorme. connaissent. Les joueurs sont très bons. Moi, je vois le Bayern très très fort, mais voilà, nous on souhaite voir Monaco en haut. Bah, bien Ils le peuvent. sûr. Voilà, ils peuvent vraiment. Et là, c'est bien contré. Ah, Oh là bien, là. bien. Ah, ça, faut le Salut. faire, hein, parce que c'est des choses où tu peux pas forcément très bien défendre sur ces corners-là. Ah, c'est dur. Hein. Alors, comment vous pouvez expliquer comment on se qualifie pour les Ah, online faut être dans final? le. Bah, je te laisse, Soso. Faut être dans les Faut être dans le 50. 50 d'un des matchs des rounds de 2, enfin d'un des rounds de 2 de la compétition. Comme il y a ce Donc week-end. C'est sur 15 voilà, matchs. sur 15 matchs, faut être dans le top 50. Il y en aura toutes les 2 semaines en concordance avec les matchs de l'eFootball Football Pro. Et il faut réussir à être au moins une fois top 50 pour se qualifier pour les online finals du mois de juin, Chose qui se très, joueront très, en un très, jour. très dure. Voilà, Est-ce que qui joueront en un jour. tu penses que on va faut avoir à peu près quel niveau pour être qualifié en pourcentage de victoire? Ah, C'est dur il y à a dire, mais. ouais, parce qu'il y a, il y a beaucoup de il y a beaucoup de paramètres. Mais je veux dire, Il y aura tu vas pas avoir un 60% se qualifier, il n'y a pratiquement aucune chance. au online final, Ouais. ben, honnêtement, c'est possible C'est dans le vrai? sens où peut-être qu'au match des 4, tous ceux qui seront qualifiés vont laisser la place à beaucoup de joueurs qui ont entre 700 et 800 points, tu Ah vois. oui. Et il suffit que ton matchmaking aussi soit un Facile. peu biaisé et tu peux aller Parce au qu'en bout. plus, il mélange les 3 niveaux, hein, c'est ça qui est fou. Hein. Ouais, c'est ça, Tu il peux tourner mélange. à 1500, match d'après à 400, quoi. Ben voilà, moi j'ai rencontré surtout des bons joueurs, mais j'ai vu que certains collègues là, ils ont rencontré beaucoup de joueurs plutôt moins Attention, bons. Ah, il y attention. va, Oh il y va. non! Ah, Regarde, lui met oh dans là le là. dos. Allez, grand cire, c'est pas fini. C'est pas fini, Oh ça là là, revient ça dans les attaque dans tous pieds. les sens. Ah, ça collisionne, ça collisionne. Et Dzeko qui n'y arrive pas. Ouais, pour Florentino la... lui ils tient n'arrivent au pas à col. sortir. Hein. Je crois qu'ils n'ont pas eu une occasion. Ah, la Roma, Oui, là, ben oui, là, oui, et là, il va, c'est bon, c'est le oui, but. L'autre fille. oui. Volante, But le de l'autre doublé. fille. Voilà, but de l'autre Ah fille. non, c'était Pellegrini. Ah, l'autre fille qui est récompensée par un but. Et la Enfin. passe, c'est Ousmane, je crois, non? Ben, la passe, je pense que c'est Usma, ouais. On voit. On voit. Quel orchestrateur, c'est magnifique. Voilà. Non, mais là, Pareil, le déplacement, regardez le déplacement du Ah, buteur. c'est Usma et l'autre fille qui contrôle, Ah là allume, là qui là là. met Quelle Hollande. connexion les deux là, c'est incroyable. Ils jouent ensemble depuis longtemps, voilà, ils sont vraiment ensemble depuis très longtemps Allez, et 2-0 par contre, ils se c'est que la 35e, surtout pas prendre la réduction du score maintenant. par cœur. Ouais, on a vu des remontadas, on a vu des équipes se faire peur sur les Allez, différents taclez-moi, points. taclez-les, mais Oh taclez-les! non, les deux tacles qui passent au travers et la balle pour Oh Tal là, qui part à voilà, l'envers. voilà, voilà! Hors-jeu, hors-jeu, Putain! hors-jeu, 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 Ouh, hors-jeu, les gars. heureusement! Oh! Hors-jeu. Hors-jeu, hors-jeu. Hors-jeu, Ah, tu crois? Ouais. ouais, Waouh! hors-jeu. Hors-jeu. Je Bah, l'ai c'était vu. encore abusé, hein! Ah, je l'ai vu, je l'ai vu. Je l'ai C'était vu, le encore hors-jeu. abusé, hein! Et tu vois Tal, hein, là encore, Tal Ouais, au milieu Tal, de il est au milieu trois des joueurs, trois quoi. joueurs! Qui arrive à frapper, c'est C'est incroyable. incroyable! C'est incroyable! Donc Bien là, vraiment. 12-0. Ah, ils se sont fait peur. Hein. Bah, je pense que là, Ouais.
Ben là, ils savent qu'ils doivent aller chercher le troisième. Sur une Allez. récup comme ça, en Allez, c'est bas, bien, on va Grancia. sentir Walid. Walid, il refait la passe. Oui, Transfert, oui, oui. Oh, la passe incroyable. Allez, c'est bon, il tue le match. Voilà. Et là, l'autre fille qui rit, et je sais très bien ce qu'il doit se dire, c'est regarde, au premier match, comment on ne pouvait pas jouer. Bah oui. Et maintenant, Bah on le voit. maintenant, le jeu nous laisse transpercer carrément. Même Parce nous, que on le voit. là c'est transpercé. Ouais, là, ils ont un compte favorable. Là, le Et là triangle, il est un aussi. peu bugué. Là, Là, c'est c'est pas normal. transperce. Là, La frappe, Smalling, elle est il peut le prendre et le retournée. gardien, il peut le prendre aussi. Voilà, et la passe, la frappe est retournée, mais elle va fort, tu vois, ils le savent. Donc, ils rigolent, parce que regarde le joueur, comment il se Ouais. remet tout de suite. En fait, il a l'animation de la frappe, il la touche pas, Eh oui. et il revient tout de suite, il recomprend, Incroyable. bah, tu vois, il rigole l'autre fille, tu vois. Ouais, mais Il en Lukov, les pros, ils arrivent pas à contrer le script parce qu'ils sont face à des pros. Mais C'est tu les ça. mets contre nous, t'inquiète qu'ils vont réussir à Voilà. contrer le script. Hein. Ouais, ils y arrivent. Il y a une Il y a manière de moyen. jouer quand tu es scripté, il y a une C'est manière de ça. jouer quand tu l'es pas. Il y a une Et manière de surtout, pour le toi. ce qui est dur au départ quand tu débutes, c'est de te rendre compte que là, t'es scripté, que là, t'es sur une phase où C'est encore quelque chose qui est même parfois mal perçu ou mal compris par de très bons joueurs. Pas forcément des pros, mais des Ouais. très bons joueurs. Bah, est-ce que le pire, c'est pas ceux qui disent qu'il n'y a pas de script? Parce que là, les pauvres, hein. Non, mais après, ils ont une connaissance du jeu qui n'est pas suffisamment grande Ouais. pour pouvoir se permettre de dire ça. D'ailleurs, Si tu c'est connais qui avait tous fait les l'article? animateurs, C'était O'Neill qui a fait un article il n'y a pas longtemps sur le il avait script. ouais, il avait retweeté, je crois, quelque chose qui avait été fait par quelqu'un. Et mais Magnifique. attends, parce que, attends, il y va Pellegrini, non, il va Bah, il jouer là-haut. décale. Ballot. Et Ballo il va se mettre Pellegrini vient dedans. l'aider. Ah, Pour jouer, dommage. ah, il s'est loupé, c'est qu'il joue qui prend pas l'appel Bah, qui fait. après, c'était la 45e. Ouais. Alors, Ça change tout, hein. Et ils ont le double des points des autres. Ousmane encore, pour l'instant, qui est l'homme du match. encore leader. Kivzuk a une très, très bonne note aussi. Ouais, exactement. Alors, oh, Juju qui me dit, alors, le football open. Très bien, mais moi, je ne communiquerai absolument pas sur mes résultats jusqu'au mois de juin. Voilà, c'est Ah. quelque chose que j'ai décidé. Au vu de toute la smala qui m'est tombée dessus Ah l'année oui, mon dernière, pauvre, l'année dernière, t'as raison. peu mal vécu. Donc là, Ouais, je maintenant, comprends. moi, je vis dans ma bulle, je vis dans ma grotte, je fais avec un compte caché T'as que raison. personne ne pourra trouver. Un compte qui a peu de matchs, d'ailleurs. Sachant qu'il y en a beaucoup, hein. Non, mais on va pas se mentir, il y Voilà, en a beaucoup. je fais tout en cachette. Et Ah ouais. le jour J, je ferai un bilan, quoi. Si t'es, Je voilà. ferai un bilan. Voilà, c'est tout. Je le vois là, je le vois déjà là. Hein. Tu vois Az qui fait son 15-0 et qui se fait tacler par un autre joueur en lui disant ouais mais t'as eu une déco. Ouais, ben, ça arrive, il a eu une Bah oui, déco. qu'est-ce Bon, qu'il y est il m'envoie un pourquoi message lui? en plus. Tu sais, il m'envoie un message, il me dit ah trop marrant, j'étais mené à la 30e minute ou à la 40e minute et hop il y a eu une déco dans le match. Ouais, mais en Ha. plus, c'est pas un mec qui est, c'est pas un mec qui. Merci beaucoup pour le raid, monsieur Quinton. C'est Az, on le connaît, c'est un mec qui est très bon. Ça tombe pas de, il tombe pas du ciel. Il a fait quoi? 14-1-0, je crois, c'est ça? Ouais, mais en fait, il a réamélioré sa série et Ah il est oui, en c'est vrai. Ah oui, il est en 15-0. 15-0, j'ai vu ce matin Ouais, il est sur en Insta. 15-0. Et le pire dans tout ça, c'est que le gars qui l'incrimine, bon, ben voilà, on a eu des joueurs pas du niveau de Haz qui l'ont joué et qui se sont occupés de lui facilement, quoi. Ouais. Ah, c'est dommage. Et Ouais, donc, voilà. Et je crois c'est... que les gens ne se rendent pas compte du fossé qui existe entre certains profils de joueurs. Sous prétexte que bah j'ai perdu d'un but et tout. Ah mais Ouais, non, mais le un... skill du joueur, le jeu peut être favorisé, mais le skill du joueur, Mais oui. il est exceptionnel. Pour moi, c'est l'un des favoris C'est pour l'heure de dommage la d'ailleurs FIVE. qu'il n'ait pas retrouvé de club cette année. Ouais, disons que l'éviction de Nantes, c'est quelque chose qui s'est fait très tard. Et attention, Ah oui. oh, il se Ouais, loupe. L'éviction c'est là de c'est Nantes. pareil, hein. Ça tape un genou, ça rebondit. Oh, attention par contre là, Disasi. Non, tu as dit. Et c'est ce que je te disais, ce que je voulais te dire tout à l'heure, et je t'ai pas dit, c'est vrai, c'est que Monaco, malgré tout, a une défense avec Maripane, Badiachile et Disasi, Pavlovic, c'est quand C'est même plus assez costaud. offensivement, parce que Volante, c'est pas très grand, c'est pas très C'est fort. ça, c'est Volland. Par Pellegrini, c'est exemple, bien, mais c'est... ils peuvent pas jouer avec Ben Yedder, tu vois. Ben Yedder n'est pas du tout méta, tu vois. Que ça Ouais. soit
Alors, en div en ligne, vu qu'il a la carte Joker, ben ouais, Ouais, très il est bien, quand fort. tu fais rentrer, ça devient fort. Et on voit Mais le classement pour l'instant, là, du coup, Monaco qui reprend les devants. Ouais, puis voilà, pareil, c'est ouais, ça. c'est ouais, bah, c'est dommage. Bah, la preuve, ils mettent Sidibé MLD. MLD, voilà, c'est parce que le Sidibé, il est costaud, il a du contact physique aussi, tu vois. Donc, il va gagner les duels. On joue à un jeu quand même qui est très auto-tamponneuse, hein. On se Ouais. rentre dedans et tout, etc. Donc, les profils petits, Allez, Sidibé. petits vifs, c'est pas ouf, quoi. C'est pas ouf. Allez, Alors, il y va, regarde Sidibé, tu magnifique. vois qu'il met Regarde. les Ouais, mains il dont je met te les mains, parle, c'est tu vrai. vois. Mais. Et il y a des joueurs qui les mettent et des joueurs qui les mettent moins, C'est tu vrai. vois. Messi qui est incroyable, lui qui les met partout, mais c'est normal. Il les met tout le temps, d'ailleurs. Ouais. Voilà. Il les met tout le temps. Et ça, c'est des choses qui sont intégrées au Player ID. Il n'y a pas de stats. Ouais. Donc Ça, en il n'y a fait, pas de vraie ça carte. veut dire Peut-être qu'ils pas ont dû d'activité. tester tous les joueurs longtemps, longtemps pour faire pour sélectionner quoi. C'est ça. Oh. Et les joueurs sont. Ah, On bien voit la joué. frappe qui est un peu forcée. Ils n'y arrivent pas du tout là, la Roma. À la Roma, Ils là, voient pas le jour sur ce match là. ils sont. Bah, tant mieux, j'ai envie de te Oui. dire. Vu Mais l'avantage qu'ils avaient sur le premier ça laisse match. un petit goût quand même, du coup, sur le match d'avant qui est un peu Ouais, il y a un peu amer, tu d'amertume, vois. forcément. Ouais, c'est sûr. Non, c'est sûr. Après, voilà, moi, je pense qu'ils le diront peut-être en fin de saison. Mais ils savent très bien que sur ce type de compète, ils sont obligés de lâcher des points à un Comme moment. quoi, hein, comme quoi, ouais, un recalibré. Bah, c'est quand même pas équitable à 100%. De toute façon, est-ce que ça peut exister à part jouer avec la même équipe? Sinon, c'est pas possible. Bah, ça veut dire que tu devrais. Le truc, c'est que malgré tout, ils ont essayé de respecter les player ID. Tu vois, Oui. t'imagines, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour être équitable, on met la même taille à tout le monde et les mêmes Ouais, stats au même ce serait endroit à n'importe quoi. exactement tout le monde. Ouais, ça Bah, devient pour un peu les n'importe viewers, quoi. c'est intéressant de reconnaître les joueurs quand même. C'est vrai que s'ils jouent C'est qu'avec des intéressant de no-names, reconnaître. ce serait un Ouais, peu voilà. pourri, quoi. C'est Mais ça. là, on voit que par rapport à tout à l'heure, les contrôles sont plus courts, les passes arrivent mieux. Exact. Il y a une grosse, grosse différence par rapport au match Ah, d'avant. tu sens que voilà, il y a une meilleure fluidité Regarde, dans le pareil, jeu les interventions. et ça transperce beaucoup moins, quoi. Pareil, là, le dégagement manuel, il arrive sur la tête de Pellegrini, il n'a même pas besoin de bouger. C'est ça. Et là, ouh là, ça s'est Attention loupé, ici. c'est loupé, Ouais. ça tourne un Ouais, peu, bien joué, il bien dégage. rattrapé. Et là, hop, le coup Ouais, de fusil. Sidibé. Dommage. Allez, Il là, l'a. du talon. Ah, ils ont un peu le truc, hein. Alors, certains diront Et que là, c'est il de y la va. chance. On sait bien que c'est pas de la chance. Et là, C'est regarde le tacle. Ah, c'est dommage. dommage. Moi, à la place de l'autre fille, j'aurais pas taclé. Je pense que je peux y aller. On pouvait y aller vu que le contrôle était très long. On pouvait y aller. Et On pouvait pourquoi y il continue? Vous voyez qu'il continue de jouer à fond. Pourquoi? Parce que bah il à 3-0 72e, t'es pas à l'abri. C'est pas fini. Qu'est-ce qu'il nous fait? Ah, il y Il envoie avait le tacle. taclo. Ah, c'est pour ça qu'il a taclé. C'est pas lui qui a Ouais, taclé. exactement. Ah, et Ouais. ça. Petite Et erreur c'est là bon, tacle. qui. Bah là, ouais, on voit Walid qui est. Enfin, parce que le tacle auto fait que finalement, l'autre fille, c'est ce que je t'ai dit. Je t'ai dit, ah, j'aurais pas taclé. J'ai pas Eh reconnu le oui. tacle auto. Et en fait, il a pas taclé. Et Bah, moi, parce je que suis tu peux en pas off. le En fait, reconnaître. il a pas taclé. Il allait pour la prendre et le jeu l'a fait tacler. Eh ouais. Alors que s'il avait récupéré le ballon, ben, de l'autre côté, il y avait le triangle et il était absolument seul. Et donc, Alors ça du coup, faisait. Ouais. tu sais, tout à l'heure, il y en a, ils disaient comment on contrôle le script. Quand tu sens que tu as un gros temps faible et que tu es acculé sur ton but, c'est quoi? Il faut mettre quoi? Un gros carré devant? Bah déjà, si tu arrives à toucher la balle, Ouais, mettre oui, un carré bah devant, tiens, oui. déjà. Et après c'est vraiment essayer Tu cherches pas, quoi, tu ouais, réfléchis pas. tu dégages. Quand tu vois que tu es sur une trajectoire de ballon, tu tacles. Si tu vois que tu vas un joueur à portée de pied, bah, tacle-le, découpe-le, tu vois. Ouais. Découpe-le, si Pas tu vois hésiter. que. Surtout qu'il y a très peu de cartons, hein, encore une Voilà, fois. ça, faut découper, faut jouer avec. Voilà, Allez, faut jouer avec les attention. failles. Allez, faut Bien. dégager. C'est bon. Allez, il est un peu tout seul. Et il va s'appuyer sur Goebbels. Goebbels qui va vite. Et Qui est là, très c'est. technique, Ouais. hein, Goebbels. J'aime bien, moi. C'est ça, c'est très fort. Et là, Allez, regarde attention. l'autre Ah, il y fille, a un l'orientation 3. de Walid. Oh, Là, sur le le dedans. contrôle, Ah, il c'est va pas grave, c'est récupérer. pas grave. Il C'est récupère sûr. Walid. Walid, il envoie. Il Le compte passe. Et là, c'est favorable. là où il passe devant. Oh! Et... Oh, le poteau. Le poteau, Goebbels. Il y va, Walid qui Ouais, frappe. Et il a c'est forcé. Et c'est encore une fois, hein, ça au premier match, il ne l'aurait jamais récupéré. Là, ouais, jamais, pareil, il là ne va pas se encore une. retourner, Il y a il deux l'aura comptes pas. favorables. C'est ça. Et tu vois que tu sens que c'est là que
les mêmes joueurs, on a les six mêmes acteurs et on a un scénario qui est complètement inversé. Donc on Et peut ouais. pas dire que le script n'existe pas. Parce Exactement. que les animations qu'on voyait chez les uns le premier match, on les On les retrouve voit. chez l'autre au deuxième et inversement, quoi. Et là, regardez, elle est belle la phase. Et là, il va faire Ouais. quoi? Il va passer et là, il va Ah, frapper dommage. et il va refrapper, il va Ah, refrapper. ça j'ai. Alors, pourquoi ils tacklent dans la surface? C'est dangereux parce qu'eux, ils maîtrisent leur tacle. Ils font pas des tacles Voilà. en fermant les yeux, en appuyant sur rond. Des fois, C'est ils pas. tacklent juste pour contrer le ballon, comme là, il a fait. Voilà. C'est des tacles pour, pour couper les trajectoires. Ce n'est pas des tacles pour toucher les joueurs. Et voilà, le script a tourné, exactement. On est Après, faut clairement. savoir le saisir. Vous voyez, sur le premier match. Sur le premier match, il n'y a pas 4-0, la Roma. Ils sont menés, Ouais. ils gagnent 3-2. Et Et sur une erreur, l'erreur était évitable, l'erreur du 1 partout. Ouais, et le kick-off était très dur à défendre, mais malgré tout, si ils avaient découpé, peut-être que. Voilà. Donc, Regarde, c'était regarde le évitable quand même. Après, dégagement. forcément, c'est dur. T'as Ouais, vu le dégagement magnifique. Magnifique. visé. Visé, tu vois. Et là, hop, Oh. la passe et c'est Oh fini. là là. C'est qu'ils Magnifique. jouent. Là, c'est pour les stats. Et là, c'est voilà, c'est 4-0. Et là, c'est là. Et là, tu vois, je les connais, les trois, là. Ils sont encore sur la défaite du Ouais. premier match. C'est pas Ah ouais. normal. Je leur ai donné 3 points, ces mecs-là, tu vois. C'est ça. Mais malheureusement, c'est la dure loi du jeu. C'est deux matchs et basta. On cumule pas les scores. Chaque match a son histoire. Bon après, au niveau du goal average, là, parce que je crois qu'il compte le goal average, hein. Donc Le là, il goal average, compte. oui, il compte, mais malgré tout, tu vois, pour eux, je puis me permettre, le top 6 est qualifié pour les playoffs. Ouais, donc c'est l'objectif. Ah oui, ça va être comme l'année dernière en tournoi à la fin. Voilà, ça va être un petit tournoi. Donc l'objectif, il est pour les playoffs, tu Et en vois. espérant que ça se passe pas comme l'année dernière, parce que malheureusement, ils étaient passés complètement à côté des playoffs. Ouais, après l'année dernière, c'était une cup. Oh là là, Oh 0. Ça déroule, ça déroule. là là. Ouais, là. Bon, après, c'est parce que la Roma, ils doivent être en ultra offensif. Et aussi, on connaît. Voilà, voilà, il y a de ça. Et il y a Et du coup, aussi. tu disais que l'année dernière, c'était en coop, et là, ça va pas être en coop? Non, 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 si, 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 si. Ah Ça, oui. mais en fait, le fait qu'il y ait le goal average, dans le sens où le goal average, il a son importance, mais en réalité, Oui, il faut après. être dans la première place de la saison régulière. Et après, c'est des matchs couperets en playoff. Ouais. C'est des matchs Bah oui. couperets. Et voilà. Et là, donc finalement, ce qu'il faudrait, c'est quand même assurer. Il faudrait quand même assurer la Le première top place, 6, quoi. ouais. Bah, c'est un Ouais. mieux, ils testent, hein. Ils testent, hein. Ils testent les Voilà. joueurs, tu vois. Si, je sais même pas combien ils ont dû faire de matchs avec Monaco. Mais quoi, ils s'amusent pas à prendre une autre équipe, du coup. Hein. Ils prennent Monaco, ils prennent Monaco. Au bout d'un moment, ils se rendent compte que voilà, lui, il met les mains, lui, il met pas les mains, lui, Il joue en 1v1, il joue en 2v2, il joue en 3v3. Tiens, On avec a. qui ils s'entraînent, du coup, ces joueurs-là, quand ils veulent faire du training en 3v3? Parce que ça doit pas être facile Alors, de trouver des joueurs. Hein. en 3v3, ils s'entraînent contre les autres rosters de pro, Ah! mais pas ceux qu'ils vont rencontrer lors des 2 prochaines journées. Ils font des D'accord. calendriers avec les mecs qu'ils vont rencontrer loin dans la saison. Et tu sais Tu vois. combien ils font de. Ils font combien de matchs par semaine? Ils font des trainings quasi tous les soirs. En tout cas, en semaine du football, ils vont jouer tous les soirs. Ils n'ont Ouais. pas le choix. Et ça va vraiment être des sessions de 2 heures contre ces pros-là. Mais après, il y a toute cette phase en solo Oui, où bah ils moi vont. j'avais parlé avec bah Ousma, vous savez, je le connais un petit peu, enfin je le connais, l'autre fille et tout, j'ai déjà fait des tournois, on a déjà discuté pas mal. Il me disait, hein, c'est une journée à faire des corners au début du jeu. Une journée à faire que des corners, que des corners, que des corners Bien en sûr. entraînement. C'est Tu tout. vois, moi, par exemple, la semaine dernière, Usma est passé à la maison. On a respecté les gestes barrières, mais on a fait une petite session Monaco-Roma tout Ah! l'après-midi en offline pour voir un peu le gameplay du offline. On n'est pas là pour regarder quel résultat va avoir à Ben la fin oui, du match. Ouais, t'es ben pas là, là à écoute, rigoler, enfin, vous. tente ces triangles-là en décalé, force un peu dessus, force ça, tu vois, Ouais. pour vraiment connaître toutes les animations du jeu à tous les endroits du terrain. Et vraiment comprendre le jeu parfaitement. Bon, Il bien faut, joué. Ils prennent en tout cas, les. Bah j'espère. oui. Mais moi, ça m'avait impressionné quand il m'avait dit on passe des journées entières à faire des corners au début du jeu pour essayer de trouver la méta. Oh, c'est incroyable. Je me dis faire des corners toute la Et journée. certains angles. En fait, il faut qu'on puisse détecter ce qui s'est passé à Ouais. chaque action. Si j'ai pris un but, C'est pourquoi je un. l'ai pris? Toi, tu fais. C'est des matchs conscients. Tu fais pas des matchs où tu Y a passes à pas autre de. chose.
Voilà. Et ça, c'est vraiment ce qu'il faut donner comme Oh, au niveau conseil. des notes, ils ont Les archi 3 à dominé. 2000. Ah, les 3 à 2000, c'est les 3 qui remplissent la jauge, c'est du quasi jamais vu. Hein. C'est du quasi jamais Ils ont vu. pas vu le jour, les pauvres joueurs de la Roma. On rappelle que c'est des très 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 bons joueurs. Et on va tripler de Kyle Jouy, doubler de Oh, l'autre fille, waouh. et même quadrupler sur les Ah, deux matchs. Hein. Kyle Zouk qui a toujours des stats incroyables, Kyle Bah, c'est monsieur bonne décision. C'est Zouk. Ouais. monsieur bonne décision. Il te fait des appels, il se trompe peu, il se trompe pour pas dire pas, quasiment pas. Il prend toujours la bonne décision, il va toujours s'orienter du bon côté. Et pour ceux qui ne le connaissent pas, Kyle Zouk, il est très jeune. Alors, je sais plus quel âge il a maintenant. Il a 18 ans, il va avoir 19 ans dans quelques mois. Et il est également joueur pro sur Street Fighter. Ouais, c'est ça. C'est Donc, incroyable. je crois pas que ça soit stipulé clairement en tant que joueur pro de Street Mais il Fighter, mais fait il des a le tournois. niveau des pros, il a vraiment le niveau des pros à C'est Street Fighter. incroyable. C'est vraiment. Chris, donc les pros passent leur temps à trouver les failles du jeu, bien sûr. Mais dans tous les jeux. Mais c'est normal. Dans tous les jeux. Et Alors, après. le joueur aux lunettes, c'est l'autre fille. Ah oui, le joueur Il à lunettes, c'est l'autre est... fille. Alors, plus calme et plus serein, oui, Oui. sûrement. Ouais, Il est. C'est un vrai calme. c'est C'est un un vrai calme. sang-froid, l'autre fille. C'est Voilà, un vrai calme. un tueur. C'est le tueur au sang-froid. Il s'énerve jamais. Mais Ouais, il c'est va. ça. C'est le feu et la glace avec l'autre fille et Walid, parce que Walid, il s'énerve tout le temps. Ouais, parce que alors c'est les parcours de vie qui font ça. Oui, les Walid caractères. a beaucoup joué au foot. Walid a beaucoup joué au foot en club à un niveau à assez bon niveau. Ouais. Donc ça veut dire que voilà, tu sais ce qui se passe dans un terrain de foot. Et Walid, il vous le dira sûrement, mais il était gardien. Donc s'il y a un but, c'est forcément pour sa pomme, même quand c'est pas de Qui a sa été faute. gardien dans un club Ah, il est pro? à la Colombienne, à Colombe. Ouais. Les Sport éthique gardiens. existe-t-il pour les jeux vidéo? Oui, mais il y a beaucoup d'arnaques. Il faut faire très 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 Ouais, attention. c'est ça. Les Merci vrais Marvin. sports au niveau des jeux vidéo, tu vas pas les trouver en France. Peut-être en France, mais je sais pas. Ça doit se développer. Moi, je sais que dans certains pays, c'est quelque chose qui est très développé. Et Mais peut-être on peut donner des conseils pour essayer de passer pro. Faites des entraînements avec des joueurs pro ou semi-pro. Voilà, n'hésitez pas. Il faut rentrer. La communauté PES, tout le monde se connaît, hein, elle est assez petite. Il y a quand même une bonne ambiance pour la plupart. Il y a toujours des c'est vrai. brebis galeuses, mais c'est pas là-dessus qu'il faut appuyer. Faut Et pas. n'hésitez pas. C'est en jouant avec des joueurs pro ou des joueurs très très forts que vous allez progresser. C'est pas en jouant dans votre coin à My Club que vous allez Voilà. progresser. Et sur moi, si je dois donner voilà deux trois conseils aux joueurs qui veulent vraiment progresser, ne faites pas de fixation sur votre note au point de passer un 5-4-1, découper tout le monde pour découper tout le monde quand vous avez envie. Ne jouez pas que pour la win. Ouais. Jouer pour comprendre le jeu, en fait. Il faut jouer, il faut C'est essayer de ça. comprendre le jeu quand tu Oui, joues. c'est pas forcément chercher les failles, c'est comprendre le jeu. Voilà, dès que tu comprends le jeu, oui, d'accord, Et faire j'entends. des tournois, bien sûr, Soso. Ah oui, il faut faire des tournois. Alors, comment on fait pour jouer contre des joueurs pros? Alors, au-delà de. Même si tu joues pas tout de suite contre des joueurs pros, il y a plein de Discord qui Voilà. existent. Il y a Katoche. Il y a Eldada, il y a plein de Sur Discord. Twitter, Et sur sur les Twitter, lives. même moi j'ai un Discord où j'organise des tournois. Donc faut suivre les personnes D'ailleurs, qui suivez organisent. Soso sur Twitter. Hein. Ouais, je suis pas très actif, mais en tout cas sur mon Discord on organise des tournois, on organise pas mal de choses, on donne du cash prize en plus parce qu'on est en partenariat avec Utopia Game Space, donc on paye, les joueurs n'ont rien à payer et nous on donne de l'argent aux vainqueurs. On a fait des tournois on a regroupé par niveau, on a fait des tournois, on a regroupé par niveau. On avait fait un tournoi où on n'avait pas accepté au-dessus de pro, hein. On avait fait un tournoi où on n'avait pas accepté au-dessus des, on n'avait pas accepté les louanges champions. On a fait un tournoi que avec les louanges champions. Donc vraiment, on Ouais. essaye de faire des choses pour que tout le monde joue. Et derrière. Et ce qui est incroyable, excuse-moi, je te coupe, mais ce qui est incroyable, c'est que sur le tournoi, que ce soit, il vous parle, par exemple, quand, bon là, c'est le Covid, mais vous allez à Utopia, ben, vous allez trouver Ousmane Kabil, vous allez trouver l'autre fille qui viennent faire les tournois. Vous pouvez Voilà. jouer contre ces mecs-là. Et Voilà. Et là, vous pouvez mesurer votre niveau et c'est c'est comme ça. ça que vous progressez. C'est ça, c'est ça. Donc vraiment, moi je sais que sur mon Discord,
pendant des moments, ça s'appelle en vocal et ça va faire un après-midi complet. Ouais. Et oui, ça va faire des sessions avec des gens. Et après, tu vas voir des gens de niveaux différents. Tu vas t'entraîner Mais oui, et parce ça que va c'est être. pas parce que t'as 1000 en My Club que ça n'a rien à voir. Faut vraiment jouer et jouer, C'est ça. jouer et avec des bons joueurs, contre des bons joueurs. Et en plus, les mecs, ils vont te donner des conseils, C'est etc. ça. C'est ça. Et des fois, tu vas jouer contre les bons joueurs. Ne cherche pas forcément la win contre ce joueur. Essaie de lui montrer ce que tu es capable de produire sur le terrain, des phases. Montre-lui que tu as compris des choses, des phases de jeu. Ne joue pas sur ah, ça a bugué, j'ai fait une passe 4 transpercée, le mec il est scripté et toi Ouais. tu te dis bah, j'ai perdu d'un but. Non, regarde le contenu de ton match. Clippez vos matchs. Ouais, c'est Clippez. vrai, t'as raison. Regardez vos rediffs, c'est très important. Clippez vos matchs. Vous faites un match contre un gros joueur, le mec il vous a bu du début à la fin. Clip ton match. Comment j'ai défendu? Est-ce que j'ai été à changer de curseur à chaque seconde? Ou est-ce que j'ai voulu trop laisser l'assistance du jeu, j'ai laissé jouer et il s'est régalé? Non, t'as raison. Moi, ce que je me suis rendu compte en regardant mes rediffs, par exemple, c'est que je sortais toujours un de mes défenseurs. T'es soit en croix, soit en carré, en pressing. Voilà. Et c'est constant. Et donc finalement, tu as toujours un décalage qui va se faire. Celui qui le voit, ben, il se décale et Il te boum, tue. Ouais. triangle, et c'est parti. Exactement. Exactement. En tout cas, Voilà. les gars, j'espère que Ouais. ça vous a plu. C'était. Bon, j'ai adoré, mon Soso. C'était génial. Tu nous as appris plein de trucs. Génial, c'est vraiment un kiff d'être avec toi, les viewers, avec tout le monde, et de voir nos copains Ouais. au milieu de l'arène avec les sabres en train de se battre. Et du coup, moi, ce qu'on vous propose, c'est de refaire ça la semaine. Alors, c'est pas la semaine prochaine, c'est Non, dans c'est dans trois deux. semaines, je crois. Deux, trois semaines. Deux, 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 dans deux, c'est le Deux? 30. C'est C'est le le 30. Et 30. bah voilà, le 30 de. Le 30. Et De remettre ça, les mecs. avec grand plaisir. Et le 30, attention, parce que le 30, ça va être une journée exceptionnelle. Parce que Monaco jouera contre le FC Barcelone. Ah oui, Monaco. Et Ah, attends, on va dire. Arsenal Manchester en ouverture, Juve Roma, Arsenal Barcelone. Barça, Schalke Galatasaray et Celtic Bayern. Ouais, donc les trois premiers matchs sont très très lourds. Exceptionnel. Donc le derby italien, Ouais. la rivalité anglaise, et derrière on a quand même un Monaco-Barça. L'an dernier, Barça sont quand même les premiers à avoir pris une win à Monaco à l'eFootball. Ouais. Alors c'était pas le même roster, il n'y a que Palma qui reste, mais voilà, il y a encore JRD maintenant, il y a le petit jeune, le petit Alex. Ouais, ça a changé, mais c'est toujours fort. C'est ça, Et exactement. donc là, il reste qu'un match, ça va être Galatasaray-Juve. Bon, Juve sont archi favoris, mais Juve, ils ont que 2 points, je crois. Du Ouais, coup, parce ils ont qu'ils ont absolument joué besoin de points pour remonter au classement. contre le Bayern. Voilà, ils ont joué contre le Bayern. Donc, au premier match, c'était vraiment le choc des Titans. Donc, en ouverture de l'eFootball, c'était Juve-Bayern. Ils ont fait 2 fois match nul. Donc, c'est même pas un vrai partage des points. C'est vraiment, ils se sont découpés Ouais. l'un et l'autre. Ils se sont donc. Ils ont fait un point, un point. Mais là, bon, le Galatasaray était en rodage. Des derniers bruits que j'entends, c'est que Galatasaray a beaucoup travaillé Ah, tu penses qu'ils cette... ont un bon potentiel? Ouais, quand même, les joueurs sont pas mauvais. Et ça reste Mukhait, un très, très, très bon joueur. Djibril Ante et Stavatak sont des joueurs qui ont déjà joué des régionales. Donc, ça reste des bons joueurs de PES. Le temps du rodage, ça va prendre le temps que ça doit prendre. Hmm. Mais voilà. Bah, Mais ils ont, en face, comme tu dis, ils ont le temps, hein. L'important, c'est d'être dans les 6, hein. c'est ça. Mais là, c'est la Juve en face. Mais eux aussi, ils ont besoin de points, parce qu'ils n'ont qu'un point, Galatasaray. C'est ça. Ils ont perdu et fait match nul contre Manchester. On se rappelle de leur prestation très terne Ouais. lors de la première journée. Je crois qu'ils n'ont pas eu une frappe en 2 matchs. Ah, et ils accrochent quand même un point, ils prennent quand même un Et point à Manchester. un match nul, mais ils C'est n'ont un pas une match contre frappe. leur. C'est pas un but contre leur camp que Manchester y met en C'est plus? un CSC, un Voilà, CSC. c'est sale, hein. Voilà, donc ça veut dire que vraiment, voilà, Galatasaray, ils sont un peu au pied du mur, ils ont tout approuvé. Il y a une grosse communauté aussi derrière eux, il y a Ouais, énormément de ah, on les a Turcs. vus sur les lives, les Turcs. Voilà, il y a énormément de Et Turcs. c'est ça Donc qui est sympa. là, la Galatasaray au pied du mur contre une Juve Qui a qui a. absolument besoin de points. Ça va être. Alors, ça risque d'être une boucherie, Tu mais. penses? Ouais. Comment ça Si peut elle... tourner? Ah, ça, on ne sait pas comment, mais je pense que sur les 2 matchs, un des 2 matchs,
Si je dois faire mon pronostic sur un des deux matchs, Qui la prend Juve. Eto'o Ah ouais, là? Ouais. obligatoire. Parce que quand Eto'o il se met à quand Eto'o il se met à jouer son football, Oui, ça Eto'o, devient on le connaît. Donc, les donc gars, je vous propose peut-être que la prochaine journée, on fera peut-être les trois premiers matchs. Je sais pas, Soso, ce que tu en penses, si tu es chaud. avec grand plaisir, avec grand plaisir, avec grand plaisir, les trois premiers matchs en tous ensemble. Super. Et écoutez, on vous fait des bisous. Voilà, et on se dit à très bientôt. Alors. Allez.